grand pavillon Victor Limard. Et Lozer, bonjour tout le monde. Salut Kamov, salut la compagnie, salut à toi, comment vas-tu? Je vais me mettre sur Discord. À skip, il y a des choses bien sur Discord. Alors, où est-ce qu'il est l'autre? Et Lozer. Ah, bonjour. Ça va et toi? Mais super, franchement super, ça va. Comme un lundi, j'ai vu par message interposé que Malimo n'était malheureusement pas disponible. Donc nous voilà. Salut Falcon. J'espère que vous aussi vous passez un bon lundi. Comment il va le jeune Swagger qui a le micro coupé? C'est la daronnance. Je sens que c'est la daronnance. C'est full daronnette. Alors, 4 CV, c'est sûr qu'on en a un. Sûr. Oui, full T10. Allez, où est-ce qu'on spawn? Vas-y, go à 10, go à 10, full à 10. C'est le pire spawn, la pire compo. Y a rien qui va, y a rien qui va. Youhou, comment ça va? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Moi ça va nickel, et vous? Super, la même phrase de merde, bateau, concert depuis... On se connaît en fait. Yes. C'est ça. Trop bien. Salut Boontep. Bon c'est bon, on est bien sur stream de Crossfax. Oui, je te confirme, on est bien là. Oui, c'est ici. C'est parti, moi je vais en A10. Hein. Attends deux petites secondes, faut que je fasse un truc. Ah mais j'attends, mais t'inquiète pas, on va pas attendre très longtemps. Je pense que le retour au port est imminent. Imminent, tu m'entends? Oui, je peux plus te bouger, c'est chiant. Faudra que tu me bouges de canon. Ah. Ah toi aussi tu joues manga. Oh ça va. Oh mais ça va super. Là je te bouge. Yes. Ah mais y'a le clicker qui vient direct. Ouais. Ça va, c'est pas mal Perceval. Moi, le Perceval, la dernière fois, il m'a fait coucou, il m'a mis triple cita, il m'a mis 12 000 d'entrée de jeu, c'était sympa. Ah, le Mogami, enfin, les croiseurs Jap, là, en ce moment, tu vois, déjà qu'ils sont pas ouf à cause de leur pool HP, mais avec la sortie des CV allemands. Ah, ils font très très mal, les CV allemands. Mais il y avait de l'idée, il y avait franchement de l'idée, monsieur. Ah, franchement, c'est les péripapéticiennes des mers. Hein, ah, vraiment, ouais, non, mais moi, je vais full exté. Et incroyable. Salut Ludwig. Salut Ludwig. Avec tes pauvres 15-7 de portée. Ah ouais, non mais t'es tout mouillé avec tes 15-7 et tu sers à rien quoi. Ouais. Ah bah c'est super hein, toi tu prends les risques et puis t'as les mecs derrière font « Haha, il prend les risques, pourquoi aller les prendre à sa place ?» Espèce de bisu.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est du bisutage, sauf que le bisutage, ça fait au moins 3 ans que j'ai qui dure. Et ça fait mal. À chaque regrind, il est là le bisutage, tu fais. Mais bon, si, je l'aime bien quand même. Ouais, je sais pas. J'espère que le Colbert, il en vaut le coup. Non, non, mais profite pas avec nous, Ludvi. Profite, franchement, profite avec d'autres. Sans façon, je passe mon tour. Ah ouais, ouais, dégage. Dégage. Moi, je te le dis, franchement, dégage. Sans façon, je n'en ferai rien. Franchement, je n'en ferai rien. Ça dégage. Ça dérape. Oh, ça glisse. Ah, les STV, j'aime bien, mais tu vois, encore, le Perceval, ça va. Mais le problème, c'est quand je les croise en Mogami, je n'en peux plus. Parce que je sais que le mec sait qu'il faut qu'il aille sur un petit croiseur avec sa roquette, tu vois. C'est ça. C'est bon, le temps d'adaptation est passé. Ils ont compris que les roquettes, c'était pas fait pour les DD. Du coup, ils voient un petit croiseur esselé et ils font... Ça le dit, toi. Après, autant je trouve qu'au T6 c'est des chewing-gums les avions, autant je trouve qu'au T6 ils tiennent bien du Perceval. Hein. Bah, il en a beaucoup quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Après, il y a un Takao qui se met au mid, oh, pile poil sur notre kid. Oh là là, quel enfer. Il est trop bien. Et notre kid, il a quoi? Il a tire pit. Ah, mais tu tire pit, il a un flanc là. J'espère qu'il a une belle smoke. Oh là là là. D'accord, il fonce tout droit le kid, c'est bien mec. C'est quoi le plan? C'est d'aller sur kid, A. Le kid, c'est, il est low, il est low tier, il a fait j'en ai marre de cette game, je suis low tier. Il le laissé mourir. Mort. Oui, je me suis douté. Hein. Je vois qu'il continue de pousser. Mind comme un gros. Game. Un gros Sag. Plot. Sagouin. J'aurais dit plot. J'aurais dit connard, mais. De toute façon, le Mosvay va pouvoir me radar. Bonito. Oh, il a déjà. Non, le Benson qui torpille kill, tu vois, ça c'est super. Allez, ça part dans la belle. Et attends, on reprend les bonnes habitudes. Ah, il fallait bien une BL ouverte aujourd'hui. Allez, salut Pilou. Salut Pilou. Hop, piste noire. Voilà. On garde les bonnes habitudes. Manger 5 fruits et légumes par jour et au moins 5 mecs dans la BL aussi. T'as de quoi tenir. 100 jours. Faudrait qu'ils augmentent le nombre de personnes que tu peux mettre dans ta BL. Bah moi je crois que je suis quasiment au max. Ah merde. Les prochains plots tu pourras pas les éviter. Non c'est ça. Quel dommage. Allez, tu reprends un petit feu s'il te plaît pour moi. Ah, il a pris un feu le max va. Non, Yamato il prend feu mais pas de moi, il prend des feux des autres. C'est vrai. Oui, il y a le feu du Odin qui tourne. GG. Yes, mais ça c'était une bonne game ça, c'était je reconnais. C'était des bons plots. Ça c'est excellent. Heureusement j'ai les mates sur qui je peux compter. Un peu sur le Odin aussi. Moi aussi. Ouh, c'est pour moi ça. Nice. Non, c'est pour moi. Non, le Yamato yes. C'était pour moi. Ah, mais il m'a mis une cité à l'Odin. Je le déteste. Viens le focus. En plus, il a réparé. Quel doute. Ah, yes. Je te confirme qu'il a réparé. Il en c'est reprend. C'est toi, c'est lui. C'est moi qui lui remets instant. Ah, c'est nice. Ça ira bien. Un petit jeu. Hop, il en reprend un deuxième. C'est moi qui distribue. 152, évidemment. Mais le démon, tout ça, j'ai Conqueror, ils peuvent pas tomber le Yamatal. Le CV. Ah, il y a le CV. Oh, il y a un bon son. Oh, ça reprend un incendie instant. J'aime. Sûr. Le Yamato. Ouais, oh, bah il est dead. J'ai le play. Juste mes dégâts en fait. Oh, c'est moi qui le tue. Yes. Vol de poulpe et compagnie. Bonjour. Bon, regarde-moi, c'est rapace. Et on est lotir dans une game T10. Pilou, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est-à-dire, on ramasse. Littéralement dans les premières lignes. Non, en vrai, ça va. Hein. 31 000. Ouais, non, ça va pas. Si peine sur le Odin, putain, je prends. 152, oui, t'as dit. 155. 55, ouais, pardon. 155, IFHE. Oh, sans IFHE, c'est mieux, mec. Ah non, non, non. C'est celui qui a le plus bénéficié du rework IFHE, c'est lui. Ouais. Je te jure. Je suis très sérieux quand je dis ça. T'es à combien de dommages? 37, avec 3 incendies. Yes. 5 incendies, 35. Pas besoin d'IFH, tu tires les super trucs, ça marche. Je suis super truc depuis tout à l'heure, hein. 10 peines, tu vois. Voilà.
t'es tiré sur qui, là? Et moi, je mets incendie à incendie. Bon, par contre, c'est moi qui me prends le focus, c'est chiant. Ouais, mais c'est bien, j'aime bien, moi. Continue, prends le focus. Prends plus de focus. Mets ton hydrant aussi, s'il te plaît. Non. Si, ne fais pas l'enfant. Sans tir. C'est faux, je t'ai prank. GG. Ah. Mais non, des torpilles, c'est ouf, ça. Pas encore d'incendie sur le NC. Non, mais mec, je joue avec IFHE, t'as autant d'incendie que moi, c'est quoi ce délire? Ouais, c'est le talent. C'est ce qu'on appelle le talent.exe, je l'ai activé avant le stream là. Non, encore un feu. Non. Ça fait que le énième. Cinquième feu. Et moi je push. Pendant ce temps, on a Conqueror qui reste dans le fond. T'as raison, va tout droit, hein, parce que sinon t'es. Tête de tub. Le Benson. Ouais, bah le Benson pour l'instant, faut que je termine surtout le NC, sinon je suis mort. C'est sûrement que ça tirait ça. Ouais, mais c'est pas grave. Justement, c'est bien. Le Benson, j'ai tiré tout. Il est mort. Pas le Benson. Hein. Putain, j'ai pas fait de lead sur ce Benson. Oh, y'a le midway, y'a le clicker là, quoi, mais. Et on est à lui là. Viens. Oh, y'a le Benson. Y'a le Benson. Regarde, qui a besoin d'IFHE? Ah, bah pas moi. Frappe dev. Pardon. Ouh. Je vais passer à la paix, je suis trop con. Oui. C'est quoi ce midway? What? Tu vois mes obus sur le midway? Négatif. Oh mec, j'ai tapé un turn en même temps de tourner, les obus sont partis 10 km devant. Je suis trop con, et pourtant il reste à la broadside, je l'aurais déjà flingué, et là il va kiter, bien sûr. Oh, ça m'énerve d'être aussi nul. Et là, il m'a mis mettre une belle cita, là. Là, l'Aska va crever. Oui, mais je vais peut-être crever d'abord, si on le tue pas vite. Mais non, tu vas juste tout droit, les tourelles avant, et ça passe. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Bah de la merde. Ok. Si tu crois. Attends, parce qu'on rigole, on rigole, mais moi j'ai un CV, là. Ah, c'est bon. Yes. Ça ricouche. Ou ça ricoche. Incendie sur le... Incendie. 2000. 30. Vol de poule. Enfoiré. Renforcement. J'ai les demandes. Smolensk. Oh non. Adieu. Bonsoir messieurs. Bonjour Jace. Comment il va le grand Jace? Il va bien. Incendie sur le clicker. Tu mords. Vite, faut focus le Smolensk. Il a pris un incendie. Oui, mais t'es mort. Oh, je suis pas encore mort. Tu mords. Eh, mon incendie tourne sur le clicker. Oh, un incendie en plus. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus là? Smolensk. Non, j'en sais rien. Bon, là par contre, c'est 5500, ça va être dans ma bouche. T'as intérêt à la carry. Hein. Comme le DM, hein, il a intérêt à la carry aussi. Hein. Non, oh, je m'oriente mal, il n'y a plus qu'à dropper, c'est fini. Ok, le DM, c'est foutu. Parce qu'on a un DM un peu retard. On a aussi un Mogami un peu retard, mais ça c'est depuis le début. Hein. Ouais, j'avoue. Putain, regarde, là, il va crever les bombes. Quelle honte. Mais moi, j'attends plus rien des Cotorep, du coup, je suis pas surpris. 97 000 dans une game où on était full lotière, et pendant ce temps, t'as un conk full vie qui a pas bougé, quoi. Ouais, il pousse derrière. C'est... Il fait j'arrive, les gars. J'arrive. Je vais aller chercher ma petite caisse dans l'armurerie. Après, le Don't Squad est pas con. Oh, là, j'ai pas dit que le Don't Squad... Oh, le Banshat qui va arriver très... Non, mais lui, quoi. Mais il a resté derrière nous toute la game. Il a rien fait. Il n'a rien fait. Ah oui, il sert à rien. Mais depuis tout à l'heure, je suis d'accord. Bon. Il va laisser un démon tout seul contre Smolensk, Rune et Atago, quoi. Regarde-moi ça, quoi. Ah oui, il est HE, tu vois, alors quel plot, mais quel plot. Il le rate en plus, quoi. Il le rate. À 9 bornes. Quelqu'un pour lui dire de tirer AP? Allez. Et puis, conque. Ah, il pourra plus tirer. Nara, mera. Eh bien non.
Heureusement que le Don Squat tire un peu dessus, voilà. Hein, il met 4 obus, ça aurait fait 4 pénétrations avec de la paix, mais... Voilà, il tire à chaque coup. On va la perdre à cause d'un Kong débile, j'ai le seum. Eh oui, mais de toute façon, les joueurs de Kong, généralement... Vas-y, reviens, reviens. Il y a une chance sur une, à peu près. Reviens pas. Ouais. Non, ça va. Non, les Kongs, en vrai, à part si c'est Akana qui les drive, ou Mali, ou ceux de la WZFR, ou les viewers, mais les restes... Non. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Manquait plus. Ça ferait. Pas sûr pour les derniers. Hein. Hello, ça ferait. En plus, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, c'est mon deuxième écran qui est mort. Je suis sur un écran de PC portable qui est en mode vertical et qui a le chat. Ouh. Ah, le fameux mode portrait pour... Mais oui. Pour dropper avec les avions du VZR. Yes. C'est trop bien. Je suis trop refait aujourd'hui, c'est une pure journée quoi. Ah franchement c'est bien. Ce que je trouve beau c'est que vous regardiez la fin de cette game. Non je suis pas au port. Moi je suis reparti au port. moi je regarde pas ça hein. C'est bon. Mon dieu. Salut Mélagan. Salut Mélagan. L'amateur de vin de mes créants. Où est-ce qu'il est le grand Jace? Au port. Au port. Je voulais cliquer sur la division mais elle était fermée. Ah, ça c'est la faute à Swaggy ça. C'est pas moi, c'est lui le chef de la div. Mais quelle espèce de mytho c'est toi qui m'as mis dedans et qui... Oh là là, mais... Non, c'est toi le chef de la div. Je m'en bats les couilles. Bon, Jace, tu choisis ton tiers, bien évidemment. Tu connais la règle. On est arrivé. Le mec qui choisit, bah de toute façon, moi je fais mes... Comment ça s'appelle? Mes petits conteneurs, donc je suis sur mes T8 là en ce moment. Oh putain. Bah attends, on peut pas regarder la fin de la game avec le Mogami du coup? Non. Ah merde. On ira regrinder une autre fois. T8, Lightning pour Jace. Tu prends quoi? Je crois que j'ai une idée. Je sais plus, j'en tire 8, non ? Moi, je crois que j'ai une idée. Tu l'as fait moi ? CV en PVE ? Non, tu l'as fait en PVE. Je suis pas assez bon en CV pour prendre le risque de pourrir la game de gens de mon équipe. C'est vrai, non, sur ça, je suis d'accord. C'est vrai que je l'ai fait quand T6. Tiens, faire pio 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 ! Et salut Ardenen. Salut Roux aussi, salut Rakam, salut tout le monde. Comment ils vont ? En ce bon lundi, nous on commence sur des chapeaux de roue. On a des Pravdés avec nous. Full lotière. Ah. Et franchement, mais hier c'était pareil. T7, j'ai fait une série full lotière. Aujourd'hui T8, full lotière. Bah faut jouer tier 9. Non mais hier j'ai. Non, mais en vrai, hier j'ai comptabilisé toutes mes games en Miyoko, je les ai faites lotière. Toutes. Mmh. Si t'avais fait 20 games d'affilée sur 20, t'aurais eu la moitié de palotière. Ouais, la moitié, ouais. Avant, j'aimais bien que ce soit un tir un peu protégé, le T7. Maintenant, c'est pas du tout protégé. T'as des Musashi en T7, tu queen quand même. Hein. T'es en Miyoko. C'est un Musashi, j'ai mais t'as un Musashi, t'es en Miyoko, le rapport de force. C'est vrai que j'aime bien le palotière, mais là, j'ai mal. Vraiment, c'est que le Musashi se passe pas sur 20 games, quoi. Ouais. Oui. Ça serait cool. Non mais après j'aime bien être lotier. Hein. Mes meilleurs games en T8 c'était dans un matchmaking T10. Hein. C'est un challenge. C'est ça. Mais 8 contre 10, je trouve que c'est pas la même que 7 contre 9 et encore moins la même que 6 contre 8. C'est ça. Alors ça, 6 contre 8 c'est un enfer. T'es en Perse et t'as full Norskal en face. Salut, j'ai 13 de portée. Coucou, allô. Bon, bonjour. On va dire ça au mec qui joue en mode asymétrique aussi après. Ah ça encore c'est drôle, sauf que c'est pour l'instant c'est pas très peuplé dans les hauts tiers à cause des jetons. Salut Bitos. Tu joues un petit DD tier 6 et tu dis tiens, les mecs avec des radars en face ils ont plus de portée de radar que j'ai de portée de canon et de torpille. Qu'est-ce que t'as encore fait Swaggy? T'as banni qui? T'as banni Bitos. Ah. Non! Théo de 600 secondes! Ouch! Le coup dur! Mais non! Mais non! C'est vrai que en T6 avec des radars, tu dois quand même bien queener, surtout quand c'est un Cleveland et Runi là. Alors, pour reprendre ce que disait notre cher Jace, tu veux pas tourner? Y'a un monde où tu tournes? Est-ce qu'il y a une dimension, une planète? Oh putain, je suis spotteille! Oh là, le Cleveland, fais gaffe! Hein. Arrête-toi, je te mets dans une smoke, ok? Viens, garde, on va faire piou-piou. Non, je fais piou-piou déjà sur un GK qui tourne. J'aime les GK qui tournent. Oh, il y a Moganish. Bonjour, toi. Smoked. 9000. Oh, 9000. Ça sert à rien ta smoke, Johnny. Elle me sert à rien. Je t'ai parlé que je suis à spot à 15-4 dans une smoke, il est à 13-3.
On s'en fout, t'as servi à m'arrêter en fait, c'est surtout ça. Je m'en fous de te se moquer. C'est surtout pour moi. Ouais, par contre, la dispersion, là, faut se calmer. Hein. Tu fais un reverse vraiment? Le Moga, oui. Non, moi je fais un reverse. Ah. Je prends un double incendie. J'aime ma vie. En DD, on a quoi? Oster. Je pense que c'est le Shima, parce que j'ai pas été spot, je suis passé à Ralamoule, donc il doit avoir moins de détect que moi. Si je fais une... I'm in the sauce. Ouais, moi aussi je suis dans la sauce. Ouais, bah toi t'as intérêt à te casser vite. Et c'est Kid. Kid, fais chier. C'est combien de portées de torpille? Bah, de toute façon, reste devant moi, tu es spot pas. 4 overpen sur le Kid, je pense qu'il est content. Je fais vite mon turn, sinon je vais mourir ici en 2 minutes. Mais tu peux rester. Non, 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 franchement, sans façon. Franchement, reste. Hein. Franchement, sans façon. Comme ça, moi, je peux farmer tranquillou et puis après... Bah... On a Nijimosh, voilà, je suis plus spot, c'est très bien. Allez, salut. Hein. Ciao la marmaille. Non, non. Non, c'est qu'il y a un démoine juste derrière aussi. Ouais, j'ai vu qu'il y a un démoine. C'est quoi, ce démoine là? Oh non, je reprends un feu sur ma sortie, quoi, sur un vieil obus tout pourri du Kid. C'est mauvais, Jack. Ah ouais, non, mais pas de bol, surtout, Jack. Non, non, t'es mauvais. 21-0. Hop, un incendie sur le deck. Non, le Cleveland, on va pas être pote, toi et moi. Non, le Cleveland. Tu redémarres? Ah, son fou, non, mais le cheu, là-haut, il redémarre pile poil quand il prend une cita de Lizumo, je sais pas de moi, quoi. Fumé ce Cleveland. 35 secondes, ça va être compliqué. Ouh, le démoine. Allez, ça dégage le débrouille là. GG ça. Mine. Voilà. GG Mr. Kutuzov. Bim, bam, boum. Qu'est-ce qu'il fait là-bas le Bismarck? Regarde le Bismarck. Moi, Mali, le gameplay... demain, il faut pusher. Oh, le crack. Turn. Mon dieu. Voilà, prends ton 7000. On fait ce qu'on peut, on rebuild un petit peu de dégâts. On se heal. Salut Boboche, salut chaton. Comment ils vont? Allez, les éditeurs plus la censure. Ouh là 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 là. C'est avec toi, on vous appelait Censureman. Censure. Oh putain, pourquoi je suis lâcheux? Mort. Au Star Gotland. Aïe. Le kid. Oh putain, dommage. Ça, oh d'accord, j'ai raté un Mogami Broadside. D'accord, ok. Bon, le Bismarck, il m'aura quand même vendu du rêve sur le game. Totoche, il a le seum là. Tu l'as géré à garderie? Pourquoi il y a Loulou qui est là? Mais c'est Bitos maintenant la garderie quoi. Il y a que des personnes matures sur ce vocal. Et ça change hein. Ouais t'as vu c'est fou. Alors que samedi il y a 200 personnes sur l'OZFR, j'ai tous vu arriver un par un. En mode, au fait, salut. C'était trop drôle. Bonjour. C'était trop bien. Destroyer. J'ai les 20, non, c'est sympa. Je sais pas si trop bien était exactement le terme employé. Spécial, oui, ça c'est un fait. Spécial, bonjour, ça fait. Salut, ça fait. Bonjour, tu m'as pas entendu tout à l'heure, d'accord. Non, je ne t'ai pas entendu tout à l'heure. Ah, ben non. Moi non plus. Vu qu'on était dans la sauce, pas vraiment. Avec nos deux Mogami là. Non, ça va, 85. Sympa, Dallas à jouer. Surtout quand t'es contre un Massachusetts, un putain de Tirpitz, un Arizona, tout autre bande de joyeuseté. Ah, le Mogami aussi, c'était sympa. Enfin, le Mogami, t'as un tout petit peu plus de chance contre deux peines, 1900. Qu'en Dallas contre Tier 8. Ah, franchement, une île et c'est parti. Hein. Ouais, sauf quand, lorsque de ton côté, sachant qu'il y a que toi et deux destroyers, tous les battleships qui sont Tier 8 décident de fuir et tu fais, mais pardon. Enfin, et les battleships ennemis, hein. Mec, sur tir. Quoi? Ça dégoûte. Je dois vous suivre? Et du coup, forcément, bah, tu bouffes deux salves. Ah, 16 000, c'est pas très gentil ça. Mais tu meurs. Oui, c'est genre, on peut le tuer s'il vous plaît. Ouais, j'aimerais bien. 300. Jace. Moi, j'osais pas trop sortir. Hein. Ah, le kid est sur backup, je vous avais vu. Ouais, je suis. Et puis je reviens vers B. Je crois que je me fais un poil focus aussi. Oui, le Mogami. Ça va. Yashima aussi sur B. Oh là. Larguer les torps. Et ouais, il arrête. Mais putain, mais. Pff, cette dispersion, quand ça veut pas, Richelieu. Allez, s'il te plaît. Richelieu, vite. Je vois pas, moi. Il me tire dessus et il est pas spot. C'est le pro. C'est de la paix, ça. C'est de la paix, ça. Ouais, t'as vu un lion à la paix, c'est. Ouais, mais c'est bien, hein. Ça change.
Par contre, qui tire et qui soit pas spot, là je dis non quoi. Si, avec une île ça passe. Ah, par contre, il se bouffe une île, ça je dis oui. Par contre, je suis spot nouveau. Ah, mais c'est lui qui me spot. C'est lui qui me spot. Oh, des torpedos. Ah, c'est Mogami qui essaye de me caler des torpes. Ouais. Et je la regarde sur le track, je l'ai. J'ai déjà tanké combien? 750 000, c'est tout? J'ai besoin d'avoir tanké 3 millions quoi. J'ai tanké 600 000 quoi, tu dégoûtes hein. En plus je suis en croiseur. Bon bah je vais tanker sur B moi. Il y a un kid, un Oster et un Shima. Ils ok. Ouais, je vais mettre entre le kid et toi. Le Shima il est loin si je suis logique. Vas-y viens, je te suis. À la queue le bleu. Je sais pas si vous avez offusqué un membre de la... de Wargaming ou quelque chose comme ça, mais le... La malédiction d'être lotière, c'est général hein, pour les ah games. Ouais bah, non, c'est vrai qu'on a game que je fais. Un remède simple, jouer tier 10. On a une malédiction chez KWX. Enfin, c'est à cause de tous les cases qu'on fait, on nous file lotière direct quoi. Ouais, pas sûr, tout à l'heure j'ai traité quelqu'un de millénial, c'est je me suis pris une déto donc. Aïe, le coup dur. Ça, c'est une malédiction. Et dans ça. Sa smoke, lui il mérite tellement. Mais si je le blind, je vais disperser de ouf, je le sais. Donc je vais retarder ma frappe. Jusqu'à ce qu'il y ait un hydro. Je m'en rapproche. Oui, il y a le Shima là-bas. Bon, ça va, il est encore loin. Ça va. Tu m'as vu où, t'as vu où je suis? Non. Tu as 4 bandes de Jace. C'est vrai? Là, le kid, il le spot. Mais j'en fais mais mon affaire. Pareil, vas-y. Va sur le kid, on le désigne. Moi, je le veux, lui, il me casse les couilles. Oh putain. Voilà, salut gros. Salut tout le monde. Salut vilaine. Bam! Ça dégage. One shot. Oh, il y a le Moga qui est pas loin. Et le lion aussi est pas loin. Shima qui est en mode attente, hein, attention. Ouais, il vu. Ah non, c'est un Cleveland. Bah, j'ai vu qu'il y a un lion aussi qui est reparti. Hein. Jay, c'est pour toi. S'il est full HE, il peut te désingaro. Là, il revient. Super, j'ai largué une smoke pour de la merde. Pour le lion? Oh, c'est nul. Il a pas assez de HP. 19 000, t'inquiète pas qu'il en a assez. Hein. Là, il a lâché, tiens, tu vois. C'est un bridge. Il prend 4 peines. C'est pas d'incendie, quoi. Bah, j'en ai fait 8. Hein. Et moi, je prends un obus. Et je prends un incendie. C'est incendie. Instant prep. Le Shima n'est plus dans le cap, attention. Laissez-moi là, le Navok. Ah, ouais, là-bas. Bon, par contre, faudrait que je fasse des peines. Hein. Vous avez vu non. Le Goldbald ou pas? Mais non. Je t'avoue que je suis plutôt en assist sur le Shima si on peut sortir un DDT10. Fuck. Et il veut pas prendre d'incendie le lion, hein, ça dégoûte. GG ça. Trop fort le Z. Oh je touche! Hey, y'a le Mogami qui revient. Vous avez vu le Mogami qui revient vers le cap? Ouais, vu. J'aurais pas de gars, mais je suis à 2 caps solo donc c'est bon pour l'XP. Ouais, j'ai déjà toi. Moi par contre, je suis à 42 000, autant te dire que c'est pas bon pour l'XP. Hein. Ni moi, pour je le karma. T'attends Moga? Ouais, je l'attends. Ça me crée un flanc. Mais... On va faire un très célèbre Richelieu spé marche arrière. Je parle de plus en fait. J'ai Lyon qui... Ah non, c'est Mogami qui est dans ma zone de spot, il est là. Je dirais même un Richelieu survival expert marche arrière. Ouh là là, ça c'est full banco ça. Oh ça c'est nice, le jackpot. Vas-y, non mais j'en irai le fion. Oui. Non, je fais une overpen sur un Lyon qui commence à kiter. Il commençait tout juste. Moi j'attends là, je suis sûr qu'il va se prendre les torts. Mais je vais quand même rester là au cas où. J'aimerais bien faire des dégâts s'il vous plaît. Et moi donc. T'es à combien? Je ne te le dirai même pas. Tellement j'ai honte. Si t'es pas à 116 000, c'est que t'es à moins que moi. Citadelle, enfin! Enfin une citadelle! Ouais, salut! Ah bah enfin! Et il, ça y est, il se réimprime. Enfin, c'est, il se réimprime. Réimpression express. Oh! Le Mogami, il est à toi? J'avais dit quoi sur les torts? Je sais plus. C'était sûr. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, superstructure.
Deux peines, une overpeine, 1190. Oui. Oui, absolument. Absolument. Je demande l'arbitrage vidéo, s'il vous plaît. Ah, bah... Oh, putain. Je vais vraiment finir 60521. Oui. Il me manque un truc. Je sais pas si c'est le karma ou quelque chose, là. Du skill. Ouch, ça fait mal. C'est sous la ceinture, ça, Swaggy. Non. Non, si. Non, franchement, on s'envoie des pains, uppercut droit, crochet du gauche. On se renvoie coup pour coup. Oh, 4 kills. Oh, quel dommage. Putain, il me manquait un Kraken, quoi. Il me manquait un kill et puis j'aurais pu faire cette mission de mort. C'est à moi de choisir. On va partir en tiers d'homme, hein. Ouais, donc ça m'a triggered de... Non, mais de faire 60 000 en Richelieu, quoi. Puis le coup de deux peines et une overpeine à 1190, personnellement, je l'ai encore en traviole. Hein. Ouais, je te l'ai toujours dit que t'étais mauvais, hein. Qu'est-ce que tu veux, hein. Ah, qu'est-ce que tu veux. Hashtag pas de chat. Pas de chat, hein. Allez, c'est parti. Go, tiers d'homme. Oh, 5 wivres. Ah, 5 wivres aussi. Oh, ça fait... J'aime les wivres, j'aime. J'aime le piment d'Espelette. Qu'est-ce que tu prends en tier 9, toi? Ouais, bah j'ai envie de te dire, l'Alaska, c'est un petit délice en fait. C'est une île flottante. C'est ce qu'est le tiramisu au dessert en fait, pour les navires. Ouh, le gros ovoir. Je vais sortir des bateaux que je sors pas souvent. Là, je vois ça. Le prochain, c'est Khabarovsk, j'annonce. Oh putain. Oh putain. Okay. La prochaine, on a perdu. Vous êtes pas prêts. Il est trop beau, mon Khabarovsk, en plus. Vous serez jaloux du skin. C'est Jace qui doit le prendre après, pas toi, non? Ah non, mais moi, je vais le prendre. Oh non. Arrête, on a dit des navires d'hommes. Pas des navires de merde. Salut, Wolf Creek. Mais d'où ça snipe pas? On fait nos conteneurs. Quand on conteneur, on doit gagner, Doudou. On va pas sniper avec les membres de la WOSFR et de ma chaîne, qui sont hyper bons. On fait les conteneurs, ouais. Clin d'œil. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau ce GK, regarde-moi ça. Je crois que t'es le seul à les avoir fait dans le clan. Et j'ai peut-être moins de temps, peut-être. Non. Ce week-end, on a quand même fait un bon live de 3h30 sur la WOSFR, c'était bien cool, ça faisait bien longtemps. C'était vrai. Salut Caribou, comment tu vas? Je prends à l'instant, c'est ma première game avec le Kaba. Ouh, ça va. Franchement, si t'as les fesses qui font bravo, c'est que c'est normal. T'es sérieux, Doudou? Salut Ben, salut Stiver, comment ils vont les copains? Franchement, tu vas très vite recruter. Oh non. Tu dis pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai dépensé 20 millions? Si tu te dis ça, c'est que c'est normal. En 2020, quoi, putain. Eh oui, on l'a pas con. Ça sera peut-être un nouveau viable. Ah, mais Mali a posé la bonne question, la libre antenne. Il a dit Tana, le Kaba, c'est quand qu'on le buff? Ah ouais, il a répondu quoi? C'était pas Malnice, c'était ton mou, pardon. Je paraphrase la mauvaise personne, autant pour moi. Ouais, et il a dit quoi? Classique Tana. Quand il aura besoin d'un buff, il l'aura. Voilà, classique Tana. Mais c'est une blague. Ah, mais les torpes, vous m'oubliez, Doudou. Elles font juste jolies, en fait. C'est pour dire attends, que t'en as, quoi. T'en as 6 km. C'est une blague, ils lui auront réellement dit... Il a réellement dit qu'il méritait pas de buff, en gros. Non, c'est ça, en gros, ouais. Mais c'est une blague. Tana a pas trop le choix dans ce qu'il dit, hein. Il est pas décisionnaire sur quel ship peut être buff, quel ship peut pas être buff. De fuck. Ils ont vraiment la tête dans leur cul, hein, pour pas voir que le Kaba mérite un buff, hein. Bon, c'est grave, hein. Le Kaba, c'est le pire tier 10 du jeu, hein. Je déconne pas. Ok, j'adore prendre un 14 000 par un je sais pas quoi. Ah, c'est Yamato. En vrai, à mon avis, ils ont vu les vidéos de Flamu où ils faisaient des scores de port avec et ils se sont dit. C'est bon, il est bien. Je tirerai pas au-dessus. C'est juste que les gens qui le jouent sont mauvais. On va se calmer. Ça, c'est merci au clicker de m'avoir spot. Oh, non. Non, mais please. C'est Yamato qui remet ça? Mec, Kaba, great again. Je viens d'avoir un échange de feu entre mon H4 et un Slava. Je lui ai fait plus mal qu'il ne m'a fait de dégâts. Sérieux? Ouais, bon, approximativement à très longue portée, ouais. Oh je vais mettre une citadelle à un Pomerne à 22 bornes, à peu près, hors taxe. Oui. Juste, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe là?
Ça arrive. Donc Bomberne, je crois qu'il a pas de Turtleback. Friesland, ça a pas de smoke, hein. Si, c'est une smoke. C'est une smoke, mais pas de torp. Mais c'est un hydro aussi, hein. C'est pas de torp, oui, ouais. Oui, à 6 km, donc alors... Très bon hydro. Évite de te faire rush. Après, là, t'as plus de radar. Mais en vrai, tu peux blinder, hein. Puisque tu lui as déjà mis. Je me fais des mauvais calls, je fais des très mauvais calls. C'était lui que je voulais. La fin de son hydro. Et j'y retourne. Je t'invite à faire gaffe quand même, parce qu'il y a un Agir aussi, hein, qui est aussi un très bon hydro. Peut-être oublié de le dire. Qu'est-ce qu'il fait, le Palmer? Eh mais l'Alaska, heureusement que je l'ai acheté. Hein. Mec, c'est le roi des croiseurs tier 9, hein, vraiment. Il fait partie des meilleurs croiseurs tier 9. Hein. J'aime pas ma pose. J'aime pas du tout, mais du tout ma pose. Pas étonnant. Surtout avec ce qu'il y a en face. Quoi. J'ai voulu trop avancer parce que le Yamato me crossfire depuis tout à l'heure. Il m'a bien cassé les reins au passage. Il y a le radar du Don Squad, tu l'as pas là le... Ah non, il le met un quart d'heure trop tard. Après, le Friesland, il va plus faire grand chose de sa game. Hein. Bah, il a un heal en fait. Ah oui, j'ai oublié de préciser, oui, il a un heal. Takao, 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 ok, Takao, il a pris la foudre. Et s'il peut farmer le Soyuz par-dessus l'île, ça me va. C'est la tourelle. Putain, mais les patates qu'il met l'Alaska, c'est grave. Hein. Je kiffe. Allez. Salut Panix, comment vas-tu? Ouh, c'était quoi ce tir tout moisi que je fais? Salut Panix. Ah, je me redresse et je prends quoi la bordée du Soyuz? Ouf, ça va. J'ai un prochain radar dans... Il est... Moi je pourrais rien y faire, il est trop loin. Je peux pas essayer de te décaler là? Plus vers l'inter, entre B et C. J'ai sur mon cap déjà. Il me gave, ouais. Ces clickers, qu'est-ce qui me gave? Eh non, c'est trop. Oh, d'où je le touche pas? Oh, merde. Get clicked. Ouais, je me fais un peu trop cliquer depuis tout à l'heure. J'en suis à 12, à 13 avions. En plus, il y a 2 DD sur votre side. Putain, il faut qu'on débloque ça, mais. Je reviens vers B, moi, tout ça. J'ai été spoté. Donc soit le Friesland a fait une boucle bizarre, soit il y a... Ah bah non, ouais, les deux DD sont là-bas. Mais notre Fletcher, il est allé mourir. J'ai balancé un radar. Hein. Et il est pas spot. Deux overpen, ok. En fait, j'aimerais bien que le Palmer et l'autre, là, l'Alabama, prennent leurs couilles dans leurs mains. Et... push ce Yamato et les autres, parce qu'ils voient qu'on a mort. Chez Yamato, il y a que nous qui faisons ça, en fait, j'ai l'impression. Mais ouais, mais c'est chiant. C'est très chiant. Merde, putain. Oh, j'ai pas de spot non plus sur ça. Je vais mourir ici. Ouais, meurs. Je devrais tirer à paix, mais... Vu que je suis derrière, instanterai pas. J'essaye de remettre un petit incendie. Oh, c'est Bismarck qui me tire dessus non spoté, quoi. Oh, l'incendie bah... 54 000 en GK, qu'est-ce qu'on aime? 48 hein, pour l'instant. Ouais, je suis là, foutu. Là, je suis mort, hein. Je suis full foutu. Hein. Je me fais abandonner par Musashi. Ah, mais on a un Horn sur notre side. D'accord. Faisons comme ça. Heureusement que je mets 20k pour sauver un peu ma game sur le Bismarck. J'ai que les balles de qui me fait suer. Hop, instant trait pas des familles. Bah yes, enfin un incendie, putain, j'aurais demandé si. C'est une console nouvelle. Encore un 14 000 et un 5 000, on aime. Putain, mais l'Alabama et le Palmer n'y servent à quoi en fait depuis 5 minutes? Vraiment, à quoi ils servent? Le... Ouais, le Yamat va mourir. C'est cool. Yamat is normally dead. Ah, il est en train de heal. C'est chiant. Voilà. Maintenant le heal.
Allez, je suis chez le monde, moi. Bonjour, je suis le relou. Pas le ramener. J'ai pas pu, j'ai voulu tourner avant, mais j'ai pas pu. Dommage. J'ai qu'à la nouvelle victime. Ouais, j'avoue. T'as pas de boost HP, toi? Non. C'est très chiant, putain. Ces games sont très très chiantes quand t'es sur un flanc qui est un clicker de merde, quoi. Mais je suis sûr que leur clicker est bien meilleur que nous. Voilà, le nôtre, il a pas bougé, quoi. Que le nôtre, pas que nous. Ouais, non, mais que nous, mais que le nôtre, ouais. Surtout le nôtre tente de torpiller un lightning, quoi. Un akuryu, non mais please. Mais go t'acheter un cerveau, je sais pas, une synapse. Des cellules grises, je sais pas, une neurone. N'importe quoi. Mais elle est sur B, mais il y a le Talin. Ah bah voilà, le Talin qui m'a radar, fait chier. Va pas mourir sur B. Ça, ça met de la vie, ça touche, si. Ça touche, ça. Dans quel monde ça touche sur un Soyuz? Ouais, il en touche une, si j'ai rien dit. Autant pour moi, GG, bon. Putain, le rêve était réel. J'ai perdu ma tourelle avant, Falcon. Sur GK. Sur Bismarck, pardon. Je tank 2,5 millions, c'est pas assez. Hein. Par contre, j'inflige pas grand chose en retour. Les DD, c'était relou. De relou à ce fuc. On avait quand même Lightning et clé balles. Hein. Donc, Jace, tu sais, contre. Oula. Ah oui, je prends le nom des tours. Non, mais le Palmer et l'autre, là, il m'énerve. Par contre, c'est que Talin peut te radar à tout moment, Jace. Il vient de passer son radar. Il vient de passer, autant pour moi. Et Drake, t'as pas tiré dessus? Mais j'ai dandiné du cul. Ouais. J'ai fait une spéciale Wadouga. T'as fait une spéciale Doudou qui a fait 627. Non, c'est quand même pas les dégâts que t'as fait, Doudou, avant de mourir. En cabas, ce serait pas étonnant. Non, par contre, je pense que c'est l'XP de base. Hein, je pense qu'il parle. Voilà. Et c'est le moment où je vais me prendre toute la foudre du CV. Notre CV, il est au courant qu'il y a un Aguirre, il y a toute la famille en fait qui est de l'autre, de l'autre côté. Hein. Voir affronter le Kléber fait chier. Je vais me casser, hein. Ça sert à rien que je reste tout seul, hein. Tout ça pour me faire souiller en fait. Ça sert à rien. Oh, par contre, c'est moyen que je te chope. Ouais, ce qu'il ne faut pas faire en CV en tout cas, c'est rester bien au fond, se faire spotter par un Klebald. Heureusement qu'il y a Takao. Takao est bon. Takao, franchement, c'est complimentage direct. Il était pas tout seul le Takao sur le Kléber. Non, mais c'est, par contre, il a farmé tout à l'heure le Soyuz. 300 PR pour votre CV. D'accord, ok, bouge pas. T'es en T10, gamin. Hop. Fais chier, le Talin arrive. Vite, redémarrage. Allez, salut. Bon, il va barrer le T dans ses torpilles, tu penses? Ou il va plonger? Je sais pas, j'ai tenté un truc. Allez, je reviens. Je pense que tu peux en caler une, hein, une ou deux. Et... maintenant, le Palmer push tout seul, non mais. Oh, le facepalm. Non. J'ai mis dans la blacklist? Ouais, c'est bon. Les piles dans le. Bah, oui, mais je vais les torpiller dans ma smoke. Non mais bonhomme, ça fait un quart d'heure, j'y suis plus dans ma smoke. Oh, joli, t'en top une. Donc pas top. Ouais, non mais franchement si on a CV qui arrive à dropper. Il a mis des feux. Il a tiré sur l'arrière, c'est bombe. On lui dit que le Aguirre a le life. Non mais je pense que ça sert à rien. Oh, c'est bien, il a droppé un cuirassé comme le son. Ah, par contre l'Alabama en reverse full vie. Est-ce que je valide? Je sais pas si je valide. Le Palmer en l'autre, ils servent à rien depuis tel an. Et notre Hollande, où est-ce qu'il va? Pourquoi il cap pas? Ah, il va chercher Midway. Ouh, GG la torpille Takao. Ouais. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de poing. Merci, Patou LM, pour le follow. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez les fous. Alors, ok, donc en fait, il voulait spotter Midway, mais pas capé, parce que pourtant, c'est vrai qu'on dégueule de points comparé à eux, hein, c'est bien connu. Oui, j'ai deux. Non, mais... on a un radar bien placé, là, hein. ça peut faire des gains. Ça, par contre, sur le Talin, ça se fait l'overmatch, voilà.
L'armure, elle est totalement dépassée par du 410 japonais. En tout cas, je te rassure, mon cher Falcon, ça s'est senti dès le début de la game. Hein, que leur CV était bien meilleur que le nôtre. Leur CV, c'est simple, il a spoté toute notre team. C'est toute. Oula. Oui, ça tombe bien, ouais. Mais... Oulalalalalala. Voilà, ça tombe bien. C'est un bon navire, le Talil. Attention, c'est le dodge du Jace. Oulala, trop facile pour Jace. Oh, hey, ma tour, rien. Et n'empêche, il tank avec 5945 HP. Le Pomerne, il y a 30 secondes, il était à 40 000 HP. Ouais, il a resté à 16 bornes, gros. Qu'est-ce qu'il, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu près de son arrière. Et il a essayé de push comme un débile. Voilà ce qu'il a fait. Aïe, l'accident bête, on dirait moi. Non, c'est pas un accident. 460 bien. Le Musashi, autant pour moi, 460 mm, je confondais avec le 510 du Shikishima et ma langue a dû dire 410, c'est ça? Ouais. C'est bien du 460, Yamato et Musashi. Et 410, c'est Amagi. C'est Amagi et Nagato, hein, je crois. Hein. Je crois, ouais. Par contre, je le sais. Là, j'ai dit 410, ouais, je veux dire ça, 460. Ouh, attention, il y a un Lightning qui prend le feu sur le Holland. Et qui se moque instant. Ton avis, le CV, il va aller voir le. Pomer. Ouais, j'adore parce que. Y a son guillet sur repeat depuis 10 minutes. On lui dit que le Aguirre est le Pomer de son low life. On lui dit que. Mais non, mais j'attends, je t'attends. Je vois que tu attends. Je vois que tu en attends. Répétant, c'est une philosophie de vie, tu vois. Quand tu dis chaque jour je vais une bagnole, tu vois, tu. Il y a des gens qui disent, tu répètes ça chaque jour, à un moment tu l'auras, tu vois, ta bagnole. Bah, ah je bon me dis, s'il a un cerveau, si je le répète au moins 5 fois, tu vois, dans la minute, peut-être que par miracle, il y a deux petits neurones qui vont faire. Moi, je me suis pas dit tout le jour, je veux une bagnole. Je me suis dit, je vais à la banque, j'y suis allé et j'ai eu un emprunt pour ma bagnole. Fin... Oui, mais ça, c'est une philosophie de merde. Mais... Ah, d'accord. Quand même. D'accord. Oui. Elle m'a dit, ok. Il t'a manqué, t'as foutu une claque, elle t'a dit. C'est sûr que si j'avais dit une Porsche, je m'aurais dit allez vous faire foutre, mais et j'aurais fait ok, bon, mais d'accord. Ouh là là. Dernière Mercedes là. De quoi? Non, rien comme bagnole. Tu veux pas plutôt une BM? Parce que toi, je sens que t'es du genre à. Ah, t'as utilisé de clignot. Ne me dites pas ça parce que mon père, il a une anecdote sur ça. Et mon grand-père qui était garagiste disait. Mon petit-fils, derrière chaque conducteur de BMW se cache un énorme trou du cul. Et j'étais là, je lui ai dit ça, j'avais 8 ans. Il était garagiste, Dieu ait son âme, mais putain, il m'a fait rire, putain. Mais il a pas tort. Il nous aura fait rire, merci à lui. Ah ouais. Allez vous faire foutre cordialement. Conducteur, on a un conducteur de BM, pareil. Ouais. On en a pas qu'un, Momo aussi est conducteur de BM. Oh là. Et ma voiture de Locke préférée est une BM série 1, d'ailleurs proche de la Paris. Dégage. Ça va, on déconne, hein. On est au 8000ème degré ici, hein. La team premier degré séparée, bon ben... C'est très bien, sauf leur moteur. On rigole. Les années 45, mais bon... C'est vrai que les clignots sont en option sur les BM par contre, ça ferait, je sais pas si tu savais. Ah, je sais très bien. C'est une option plutôt chère d'ailleurs. Surtout en sortie de rond-point. Ça dégage. Il n'y a que les voitures de Locke qui en BMW qui mettent les clignots en sortie de rond-point. C'est un truc qui n'existe pas. C'est un mythe chez les BM. Mais non. C'est une feature, mais pire que la sortie de Star Citizen. Mais tu veux qu'on en parle à ce stade. Tu mens. Comment ça va du côté Star Citizen? Ça avance un peu, ça code ou... C'est pas moi qui code, donc perso j'en sais rien. Ils arrivent à rendre le jeu plus instable, ce qui est signe qu'il y a du changement. Non, en vrai, leur modèle de vol actuellement en atmosphérique est assez cool. D'accord. Mais c'est vrai que bon... Avec le chrono, bateau. Quoi. C'est vrai, t'es plus Porsche pas tout Moi je suis n'importe quoi du moment que c'est pas BM. Ça va Doudou? Donc c'est à moi de choisir. Non, c'est moi qui choisis tes disques tier d'homme. Ah,
t'aimes bien le Fiat Multipla, c'est pour toi, non? Un Fiat Multipla, j'adore. Best voiture ever. Oh, mais on est d'accord, t'as de la gueule. Hein. Tier 6 cross. Tier 6? Pourquoi faire? Ouais. Je sais pas, je vois Green Dallas. Tout ça pour que je prenne mon rangé? Tu veux que je prenne mon rangé, c'est ça? Oh non, tu prends ton rangé si tu veux, je m'en fous. Non, par contre, on a du tier 8 à jouer, on a un Mogami à grinder avec Swaggy. Ouais, ouais, vas-y, du tier 8. Ouais. On a du regrind, pardon, du regrind à faire. Qu'est-ce que j'ai en tier 8? T'as Tago, mais t'as un Weeb, t'as tout ce qu'il y a, Tago Black. Me fais pas genre qu'est-ce que j'ai au tier 8, quoi. Tu es un Weeb. Tu es un Weeb. Moi, un Weeb? Comment oses-tu proférer une telle accusation? Dès qu'il y a un drapeau japonais, t'entends ça fait dire mon précieux. Je vais aller regarder sur Wostat, tu vois. Hop, 50% de ses navires, c'est jet. J'ai une Porsche 928. Alors, ça, c'est la classe. Ça me fait penser, il y a un truc que je vous conseille, c'est le... Si vous êtes un peu bagnole, c'est les vieux Top Gear. Vous retrouvez le vieux Top Gear Patagonia, spécial. Et justement, t'as Jeremy Clarkson qui est sur une Porsche 928 V8. Et c'est franchement les paysages sont sublimes, les vannes sont sublimes. Et si vous parlez, je vous en conjure, regardez-le en VO. Sous-titré. Yes. Même pour ceux qui parlent pas un pet d'anglais. Hein. Sous-titré, j'ai dit pas. Mais les blagues sont tellement meilleures en anglais. Pardon? Ouais. C'est-à-dire qu'en français, on a pas d'humour, quoi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que les traducteurs français des séries, enfin des télévisions. Étaient généralement pas vraiment doués avec leur cerveau, je crois, je trouve. Ouais, mais une bonne blague, c'est universel. Ouais, il y a un mec dans ma blacklist en face. Hein. Ça parle de quoi? Ça parle de Top Gear, Max. Top Gear spécial Patagonia. Enfin, Patagonia spécial, il s'appelle. Vous pourriez faire un effort au moins pour que je vous chope en... C'est une émission automobile, oui. Et la suite, c'est sur Amazon Prime. Pour tous ceux qui ont Amazon Prime, ça s'appelle The Grand Tour. Et c'est très très fun. Et j'ai même réussi à convertir mon beau-frère qui est pas du tout bagnole, mais qui m'a dit de voir trois personnes comme ça, trois potes en fait, se mettre des grandes vannes pendant juste trois quarts d'heure, même s'il y a une voiture au centre, bah c'est juste ça le plus fun quoi. Servus, d'accord, ce qui veut dire patate. D'accord, ok. Ou peut-être pas. Ah mais c'est super drôle, mais franchement The Grand Tour, j'attends qu'une chose, c'est que la saison 4, la saison 4 c'est une grosse arlésienne si vous connaissez pas. Ils ont fait un épisode où en fait ils ditchent les voitures pour prendre des bateaux. J'en dis pas plus si vous voulez voir. C'est sur ils refont un peu la guerre du Vietnam. Mais voilà. Et du coup ils abandonnent les bagnoles alors qu'ils détestent les bateaux. Enfin deux détestent les bateaux et ils se mettent des grandes vannes dans la gueule pendant juste 2h30. Et ils sont aussi de grandes frayeurs pendant 2h30. Bonjour frère Rosa à qui j'avais pas dit bonjour. Comment vas-tu? Ceux-là, leur peacemaker, ils vont finir par imploser. Pauvre. Neptune. On a encore l'autre, cela dit. Non, on est mid-tier. Il y a un Synop, il y a un Sims. Il y a notre Alaska dans ma blacklist. Ah, toi aussi, t'as des... Alors, c'est lequel qui est dans ta blacklist? Moi, le nôtre? Ouais, c'est le nôtre. Moi, c'est Freddy Krueger en face. Toi, t'as Freddy Krueger en face? Ouais, j'ai Freddy Krueger en face. Alors, ici, il est dans ma BL, c'est qui là? Bliskawitza. Ouais. J'aime pas ma pose. J'aime pas du tout. Moi non plus, j'aime pas du tout le mien. Si j'arrive à faire mon turn, je suis goldé. La zoom a tiré. Ah, mais j'ai Doudou en face de moi. Ouais, merci. Salut Doudou. T'as Doudou en face? Non. Ouais, qui est en chapie. Le salaud. Complètement. Je pense qu'il était là pour contrer le cross. Chapie pour me contrer? Bah, il a une chance de radar pour te choper. Jamais me chope. C'est qui ça? Ah, bah, c'est le Biscay en face. Tu pipoterais pas un peu toi? Moi je pipote. Regarde le Bliska. Je sais pas. Bliska. Moi j'aimerais bien avoir la classe de George. Niveau que là je suis un peu just. Je connais un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de classe. 10 fois plus de classe. Ah ouais, ça fait beaucoup hein. C'est beaucoup. Moi ici au Canada. Oh t'es au Canada, Pat. Oh je te jalousie que j'ai. On a une émission sur les cars qui s'appelle HP, c'est super. Je connais pas du tout. C'est quoi ce... C'est Charles Martel qui me tire dessus. Monsieur, cordialement, ce n'est pas très gentil ce que vous faites. C'est où, toi? Est-ce qu'on rush Biska ou est-ce qu'on se touche? Apparemment, le Sims, il dit on se touche. T'inquiète, attends, je le sens bien le Biska. Ah, je suis trop court de 100 mètres.
Je suis parti à la pêche, regarde. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu des petits poissons partir. Des petits torpedoes. Ouais, il a pris un incendie de Il est sorti de sa smoke, Bliska, je vous annonce. Non. Si, 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 si. Affirmatif. Bagration. Effectivement, il est sorti. Citadelle sur un Bagration. Ah, en quoi? Oh, mais c'est un Lénine, c'est OP. 6 overpen, j'ai dit. Ah, 6 overpen. Pardon. 6 overpen à Citadelle. Ah ouais, je coupe Citadelle, moi. Moi aussi. Ah, merci. Non, j'ai pas écouté, en vrai. Putain. Suive ton pouce, toi. Il y a le retour de Charles Martel. Patte d'ours. Merci, patte d'ours. Adorable. Je prends. Merci. Je prends. D'accord. C'est bon, j'ai compris. Je me casse. Regardez. Allez, salut. Hein. Voilà. Va-t'en vite avec ton Charles Martel avant que je t'attrape. Oh. Alors, Bito sera exactement pensé à quoi je pense. Pâte d'ours au miel. Ah, il est, c'est un viewer. Merci beaucoup pour le follow, pâte d'ours. Et bon courage à Watt. Mec. Putain, mais c'est quoi ce lit de mort que je. Le Gnaizeno revient. Je mets les 800. C'est pas terrible. C'est un trauma là que t'as ravi en bout. Naizeno, il pousse et on perd ah le 6. Ah yes! Un premier 100 après combien de minutes? Ouais, 4 minutes 50. GG. Tiens, un petit score. Le Gnaizeno est pareil, je crois. Bah écoute, je tente ma chance. Avec 3 à peine. Ah, un incendie. Oula! On me dit dans l'oreillette que ça s'est pas bien passé pour Patte d'ours. Et je suis désolé, c'est pas moi pour le coup. Hein. C'est toutes les plaintes, faut s'adresser à Jace. J-E-I-2-S. Cordialement, la direction. Hein. Bon alors, comment on fait avec l'Alaska hein. Ça va être un peu compliqué. Ah, ça va pas être compliqué. Ah, ça va être compliqué. Ah, mais il va se tanker dans une île en plus. Ça va être. Il a eu la Katsuki en tout cas. Oui, mais là, ça va être. Ça va être. Pas. Si, si, regarde. Ça va être du gâteau. Regarde, incendie. Regarde le gâteau. Incendie perma. Par contre, je lui mets un incendie perma. Pourquoi est-ce qu'il est pas spot? Est-ce qu'on en parle? Non. Mais il y a Jace dans une smoke. Mais t'as pas honte. Mais t'as pas honte. Regarde la smoke, elle s'en va quand j'arrive. Regarde le gâteau. Hop. Joli ça. Toi, tu vas foutre la merde, mais t'as pas Gration qui revient, Gnaizeno qui revient. Je sais. Pour dire, c'est pas un cadal que de revenir au middle. Bah là, c'est le moment où j'aimerais bien que vous poussiez. Mais c'est ce qu'on va faire. J'ai remis la marche avant. Je vais essayer d'aller me faire le bagrassier. Hein. Par contre, on a le retour du Bliskawitza dans sa smoke. Je vais tenter un prank. Mais je crois que je vais faire un double pass-by en fait. Hein. Non, tu t'auras pas le temps, à mon avis. Si, regarde. Regarde. Par contre, je pense qu'il y a Jace qui peut me dire bonjour à un Bagration. Je viens d'essayer de saluer l'Azuma, mais il est dans il fait des moves bizarres. Non, le Bagration fait pas de moves bizarres, il est quasiment à l'arrêt. Enfin, il avance doucement là. Enfin, il avance full speed maintenant. Bon, je repasse à la cheu. Cela suffit. Bonsoir, Cataneo, comment vas-tu? Tu crois que je peux arriver sneaky sur le Biscawitza? Je sais pas. Eh, ça a des temples, Bagration? De mémoire comme ça? Dans le doute, oui. Dans le doute, oui. Mais dans le doute, toi aussi, non? Ouais, dans le doute, j'ai des angles de merde aussi avec. D'accord. Ah bah ouais, bah les torpilles, les a plus. D'accord, ok. Bah il y en avait. Allez. Grignoter un peu, là, histoire que tu puisses manger. Ouais. Manger. Joli. Manger, monsieur, manger. Alors. Petite sasmoke de l'autre côté. Le Gnaizeno. Torpille Gnaizeno. Ouais, franchement, je le tank, hein. Je tankerai pas ça de l'armée. Où est-ce que t'es avec ta crotte, toi? Sors de là. Pas la torpille. C'est bon. Hop, tactical bitching. Il est toujours dans la cape, hein. Il a réparé le Gnaizeno. Oh. Oh, il a plus de torpille.
Non, par contre, j'ai fait le play au mid et puis on va la perdre. Et l'Ozer. Ça dégoûte. Toi, ça dégage. Le play au mid, moi j'ai sorti le DD. Si tu peux permettre un incendie sur Sognize, ce serait. Nice ou Azuma. Ah, c'est nice. De la paix ça. Ouf. Nice, j'ai pas la portée. Au moins, déjà, c'est lâché comme ça comme réponse. Ah, bah yes. Je me sens. Ah, j'ai pas loqué, ça a pas loqué, monsieur l'arbitre, ça a pas loqué sur le Azuma. Je vais trop vite. Ah, bah y'a un incendie. C'est le grand fast. Ed, c'est quoi, allez. Donc je cap. En plus, je suis à 2 kills, je peux potentiellement sortir le Kraken. T'as pas la Zuma tu... Ah non. Oh, attends. Il faut que je cap, parce qu'on est en dash de points là. Vas-y, cap. Lumière blanche, t'as vu une lumière blanche? Mais il faut jamais joindre la lumière blanche. Incendie perma sur la Zumoche. Je sors du cap. Qui c'est qui s'est fait des caps? C'est Jace? Laisse-le moi. C'est mon feu qui tourne. Je crois que t'es plus Jace, laisse-le moi. Il était limite hors de portée donc. Yes! Encore une victoire de canard. Ah, celle-là, on la win, les gars, on la carry. En mode carry, parce qu'il y a Missouri qui revient de l'autre côté, Mousse à chiotte. Hein. Oh, on va la carry, ouais. Mais non, mais on met Jace de face, il contre tout. C'est vrai, ça. Franchement, les 460 du Musashi, aucun problème. Ok, attends, les 460 du Musashi, je crois que je vais les tester un peu bientôt, là. C'est vrai? Suntem, ouais. Je vois deux petits locks pas très sympas sur ma tête. Pourquoi je suis en AP? Pourquoi je suis élite de merde? Just like a cosmic girl. Oh là là, je mets des peines dégueulasses à 400. Ça va, je mets 3000. Bam, mid-turn. Bam, bam. Putain, bien joué, Galagan, bien joué. Bien joué, McGolagan, 7000. Missouri 21 borne. Non, par contre, faut arrêter de me casser mes kills là. Ah, je veux bien déjà, mais si je tirais mieux, j'arriverais mieux de les caisses. Pour l'instant, je tire comme une merde. Attends, je teste aussi de bien viser. Voilà, quand je vise bio, ça va beaucoup mieux. Je veux tester de lui mettre la frappe merde, l'expert des combats. Instant trépas, quoi. Bien sûr. Garde ton incendie, Johnny. Ça va bien se passer. Non, mais non. Oh là là, les rapias. Regarde tous les obus qui arrivent de rapias. Et ça dégoûte, vous dégoûtez. Hein. On dirait Jace. Musashi, il est au retour. Putain, j'avais pas vu. Dommage. Elle return. Bah, je me suis pris deux torps comme un débile. Yes. Putain, quel coup. 147 000, je pouvais faire la game à 200. Oh. Là, je prends un obus de Musashi, j'implose. Tadadam. En vrai, va falloir faire la game là. Hein. Va falloir faire le plays, ouais. Le Musashi. Le Missouri, pardon. Missouri bah, demande. Dès qu'il repointe son nez. Ouais. Ah. J'ai pas assez de. Oh, j'ai pas assez décalé mon tir sur la droite. Le problème, c'est l'idée qui est le Vladivostok. C'est pas du tout. Je suis radar. Il m'a vu. Charles. Ça, c'est pas grave, on a Jay, je te dis. Il va les radars. Tu veux quoi contre le Shira? Ah, ouais, il va. Il a un chip, je te dis. C'est fou. Il a un chip de type intelligent. Voilà qui est fait. Shiratsuyu qui est sur C et le Balibuki, j'espère que la Yowa va le sortir. Shira il est en reload torp hein, ou quoi? Oui, il est en reload torp. Il vient de lui claquer son reload torp. Oh, mais les qui met de face le Musashiote. Le Musashiote il continue d'avancer? Attends. Ouais, ouais. Attends, le Musashiote. Oh putain, non, il termine pas là où ils font. Si tu peux le faire terminer, ça serait cool. Là, oui, mais moi contre un Lexington, un Bismarck, un Charnhorst. Mais qu'est-ce que je fais là? Si je vais m'amuser. Et sûrement le Musashi est dramé. Oh, ce qui me colle, ma gueule. Et instant trépas, mais incendie, mais pourquoi? Instant trépas, ce de Swaggy, pas les miens, quoi. Enfin, prends ta torpille avec ton flood. Chet. Putain, elles ont pas la portée, les miennes. T'es mauvais, Jack. Ah, pardon. Par contre, on mettait un feu à ce Musashiote. Hein. Ouais, attends, je vais m'efforcer de le faire quand mes tours allaient tourner. Oh, vas-y, la Yowa, la Yowa, la Yowa, la Yowa, tu le défonces là, l'Ibuki à 7 bornes, 7 kilomètres. 7. Allez, plus bas, tire plus bas. Dans tous les cas, tu vois un Ibuki, dans tous les cas, tu penses fougère et tu tires plus bas. Tu penses fougère.
c'est étrange. Trois peines. Jace, okay, tu meurs ou pas? Incendie sur, incendie sur l'e-book. Pas encore. Tu as encore envie, Jace. T'es le meilleur. Non, mais dis non, peine, quoi. Ouh, le Vlad. Shira Tsuyu, j'ai le Shira. Ah bah voilà. 8 peines. Allez, vite, 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 face. Allez, cross. Tire bien, assure tes tirs. Oui. Allez. Allez. La Yowa. Sur Musashi. Enfin, pas sur le. Oh, la dispersion, mais putain, mais c'est Moïse. C'est Moïse, le Shira Tsuyu. C'est Moïse. Il est fort, hein. Oh, mais mec, il passe entre les obus. Hein, deux à gauche, trois à droite. C'est bon, c'est GG Wellplay. Non, vous avez géré, vous êtes trop fort, en fait. Surtout Jace, hein, parce que... Va mourir, juste... Va mourir, et si possible, t'as vite. Fait t'as, fait combi... t'as fait combien, en fait? 117. Ouais, d'accord. 117, deux caps. Il est où le problème? Mais non. J'ai fait deux caps. Bah oui. T'as bah, qu'est-ce combien de kills? Qu'à quoi? T'as qu'est-ce combien de kills? De kills. GKS, GKS du kill, c'est important de le savoir. Du, je dirais pas combien, je sais qui c'est, j'ai tout vu, mais je dirais rien. Je dirais rien. Exactement. Voilà la dep, et voilà, regarde l'incendie qui est même pas pour moi en plus. Putain, c'est. L'Ibuki, il a tout ramassé, gros, c'était trop drôle. 7 kills, je me suis fait et tout liche. Le Gneizeno, c'était lui, hein. C'était lui, dude. Ah, c'était lui. Niche le Musashi, mais je voulais tirer avant qu'il me tue. Ouh, ça c'est le moteur en moins, ça. Putain, mais les torques en plus sur le Musashi, c'est trop belle et la turn. Les gouttes. Regardez-moi ça. Qui c'est qui soutient? Je touche, je suis soutien. C'est vrai? Ça fait 5 minutes que je le suis. Et moi je le kill. Et voilà. Ça coûte combien de renommer le clan? Pas assez, Zolfak. Ça devrait être plus cher dans notre cas. Allez là! Allez! Attention! Oh putain, mais connard de 13! 13! Alors, 13! Mais quoi? Tu voulais quoi? Tu me disais quoi? Alors, 13! T'as 13 d'XP de base en plus, quoi! C'est de la maligne, oh, là, ou quoi? Je suis choqué de ouf! Notre rename, pardon, en KSWX. KSWX, je pense que le nom, le clan name est vraiment valide. T'as 13 points de plus, quoi! Ah ouais, je vais dire ça à celui qui a l'edgy contre un Alaskar Mogami, hein. Tu l'as juste pas sbi, t'as été torpillé l'autre. C'est pas le dernier pelot qui saurait faire ça. Bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est facile de pas sbi avec un H4 quand t'as des ondes de torpille qui tirent quasiment tes torpilles à l'avant comme un des 160 biches. J'ai sorti les deux DD. J'ai sorti le Biska with ça, des Widmo, mec. Regarde Widmo, c'est violet. Biska, t'as touché un violet, et ben non. Et ben non. Je te dis qu'il était dans ma blacklist, c'est pas pour rien. Qui ça? Freddy Krueger? Oui, là, ouais, Freddy Krueger. En plus, t'as vu, il est dans un clan violet. Mais oui, mais ce que je te dis. Moi, je l'ai tué. Ouais. Tu l'as touché, toi? Non. Bien sûr que si, gros, je lui ai mis 5000. De quoi tu 5000 parles. Bah, je lui mets 7150. Voilà. Wow, super. Ça compare sa taille de tub, c'est génial. Et maintenant, on peut aller attends, je vais complimenter Pat d'ours. Pauvre, tu l'as mis une grosse dev, Jace, t'étais méchant. Il m'a montré son broadside. C'est vrai. Il était si accueillant. Chez Kaline. Comment ils vont? Comment il veut le grand Stargate et le grand la grande Kaline, pardon. Comment elle va, princesse? Ouh là là, là par contre. Ah, ça coûte cher. Batterie où est-ce qu'il est, notre cher ami? Ah bah oui. Là. Ah. T'avais pas eu de chance, t'es tombé sur un Jace des grands jours avec son Lénine. Rendez l'argent. Comment il va? Oh, il y a l'explosion aussi, il y a le grand Alex. Comment vas-tu? Rendez l'argent. J-3 Crosswax. Ouh là 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 là. Déjà demain, j'ai mon écran qui arrive. J'ai pris Amazon, livraison un jour garanti. Coucou. C'est donc à qui de choisir? C'est à Swaggy. Bah, on va jouer en tier 9. Ok. Attends, faut que je regarde un petit truc. Ah, je peux rajouter 5% à la vitesse des torps. Ah, magnifique. Ah. Franchement, ça sur un Georgia, ça sert à tout. Hein. Ah, franchement, c'est vrai. Pour la torpe unique, ça marche. On n'a pas dit qu'on faisait une triplette de Kabarovsk après? Je pense que c'est pas opti. C'est pas du tout opti. Ça pue la défaite. Ça pue la défaite. Je pense que si on fait ça, on se fait report. Ah, mais c'est sûr. Pour faire exprès évidemment de la perdre. Ah oui, tu t'as casé pour Jace, pardon. Swaggy, que vas-tu prendre? Croiseur ou cuirassé? Croiseur. Ok.
Est-ce que j'ai un cuirassé dans 9 ou j'ai pas. Eh, j'ai pas encore mon Alsace. Défaut. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous aux chaînes de Stargate, de Wadouga, de Kaline, de Safriadis, de Akanaka, de Battle Momo. Moi, je pense que tout le monde a déjà sub ou follow Battle Momo. Tu sais qu'il manque Harley. Je pense que j'ai fait tout le tour de Kadoulé, je crois. En fait, nous, on phagocyte les streamers. Donc bientôt, si vous trouvez un streamer français qui franchement est fun, vous nous dites le nom, on vient le chercher, il y a dans le clan. Ça prend 2 mois à débaucher en général. Ça prend 2 mois à débaucher. Merci Marco6234 pour le follow, bienvenue. Et quand est-ce que tu relances ton mou? Ton mou, ça ne saurait tarder. Oh putain, en plein live. En plein live, mais quel casse-couille, putain. C'était vrai ça. Oh, j'en pouvais super. Ah, j'essaye de débaucher Sébastos Fig, mais il est un peu revêche. Hein. Ouh là, il veut pas. Si, il a son compte secondaire chez nous. Non. Mais non, on est full là chez nous pour l'instant. Il faut qu'on prenne les trucs de clan pour avoir 5 places en plus. Je suis stock. C'est ballot parce que c'est parti direct. Ouais. Non, c'est pas ballot, t'inquiète. T'as combien de portées en stock avec les bookies? Franchement, ouais, je sais pas. 15 aidés. C'est large. C'est large. Il est allé chez les paras. Et... Il sait pas ce qu'il perd ton mou. Il sait pas ce qu'il perd. T'as au moins un tout petit truc en plus. T'as au moins 10 de portée, alors ça je te le garantis. Si... Non, je veux dire, t'as ta dissimulation au moins. Oui, bah, oui, il y a survivre. Minimum. Ah putain, je suis con. Oui, oh, je le savais par contre. Ça j'avais de l'avance, je le savais déjà. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je suis un connard. En fait, mais ça... je voulais prendre le capitaine du Moga et j'ai pris le capitaine qui était sur la Tago, qui est mon capitaine de Zao et qui est l'abruti. Ton capitaine de? Aïe, aïe, aïe. Mon capitaine de Zao. Mmh. Oh non, je veux pas payer l'entraînement. Hein. Zao, je jouerai une fois et puis... Et puis hop, ça revend. Non, je jouerai le chinois, ouais. Oh putain, ça dégoûte. Quel con. Bon, moi, je l'ai pas décommissionné. Ouch. Je veux pas qui a fait ça. Safri, t'as fait ça? Franchement, j'ai 17 caps de portée. Je me rappelle pas. Franchement, je pense que si j'avais fait ça, je m'en rappellerais. Je me serais vraiment flagellé pour avoir été un sale gros con. Et le mieux, c'est de le faire une fois, et te dire que t'es vraiment un gros con, mais de le refaire une deuxième fois. Là, franchement, il y a un coup de Master Race, tu vois, quand même. Là, il y a du level. Il y a du potentiel. Là, il faut admettre, là, c'est puissant. Ne jamais toucher au capitaine de tes navires quand tu as bu 3 bières. Jamais. Jamais. 3 bières, 3 capitaines, corrélation. Et il y a une non, Falcon, pas 3ème fois. Ouh là là, non, ça suffit, j'ai compris ma connerie. J'étais vraiment idiot, c'est bon. J'ai mis de clanmates qui me le rappellent toutes les semaines. Ne t'inquiète pas, Non, franchement. Franchement, pas toutes les semaines, au moins 3 fois par semaine. T'imagines encore 19 points, tu peux pleurer, mais tu me dis quand ce sera 21 points. Là, il y a quoi couiner quand même. Alors là, t'as envoyé ton meilleur ticket à Wargaming. Hein. Ah oui, c'est sûr, c'est certain. Oh, comme quand tu filmais le doublon contre de la team, pareil. Pas de ours au miel, attention chèque Jace pour le broadside, pour la dev strike. Hein. C'est vrai que ça prend facilement des citas, c'est merde, putain j'ai oublié. T'es ballsy là en tout cas mon cher Jace. Full mid. Non. Ça fait sniper ou pas? Non, ça pas fait sniper, c'est pas mal. Je suis spot mid, il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a tout le monde qui demande un snipe depuis tout à l'heure et toi tu leur chies littéralement. Non, je veux mes containers et j'en ai marre de juste faire de la marde. Fais gaffe, ta langue a failli fourcher, t'as failli dire quoi, hein, c'est un signe. Hein. Ouais. Mais tiens, je vais faire un autre signe qui est clic. Ouais, voilà. J'attends. Clic. Toi, quand on sait pas tirer, on prend les chips secondaires. Grosse devise. Regarde-moi ça. Et si on tu prends un Jace? C'est quoi, Bogie? Oh là, mais Jace! Jace, quoi. Ah, super. Comment tu oses douter de Jace, quoi? Non, je doutais pas de Jace du tout. En plus, il était même pas smoke. Ah, il était reload-top. Ça veut dire que j'ai. Il aurait pu utiliser sa smoke pour fuir. Hein. C'est vrai, il aurait pu utiliser sa smoke. Et là. Il fait du spread large pour essayer. Et deux shatters, j'aime. J'aime beaucoup deux shatters. J'aime les piments des splits. C'est très chiant. Dans la coop, je voulais laisser les KSWX. Moi, je peux pas. Hein. 70 games en coop, je me jette par la fenêtre. Même si je suis au rez-de-chaussée. Va demander ça à Vitos, tiens. Va demander ça à Vitos.
Vitos, t'as fait combien de coop pour tes conteneurs? Beaucoup trop. Ça, c'est vrai. Oh, c'est vrai que le bruit des guns est... Ah ben enfin, l'incendie. Il y a un Yoshino là-bas. Je suis en Dallas avec un Bismarck en face de moi. Je sais pas si le Bismarck m'a pris en pitié ou s'il est juste complètement stupide, mais il tire à la cheveux. Il est stupide. Ouais, je pense qu'il est un peu stupide. Moi, tu vois un Dallas dans n'importe quel sens en Bismarck, ça rentre. Vu la vélo des obus. Complètement. Vu la rapidité des obus, ça peine n'importe quel bâtiment. Hein. Même en Arizona, ça rentre n'importe comment. Oui, mais en Arizona, c'est un calibre inférieur, donc je pense qu'en Arizona, tu as des moyens, tu peux faire ricocher en Dallas. Alors qu'en Bismarck. Si, il faut que ça tombe pile dans la ceinture blindée, et elle est pas grande. Hein. Ok, donc on a Brindisi avec Yoshino, je crois, hein, les enfants, sur la gauche. Ah non, c'est non, qui est smoké là. C'est le ZN3. Un blob en ouais. C9. Ah oh ouais, je vois ça justement, j'ai envie d'y aller. Oh, même pas quoi. T'as vu hein. Et on a un Tirpitz pardon, qui est bloqué derrière son rocher là en reverse. Tirpitz reverse. Ne jamais faire ça à la maison. Jamais. Si vous devez faire demi-tour, faites un demi-tour. Juste faites pas de marche arrière, c'est débile. A tout à l'heure, en Richelieu, j'aurais fait tour demi, j'aurais fait marche arrière, j'étais mort. 100 voilà. Milliards de pourcents. Je préférais prendre 20 000 et faire mon tour demi que rester là où j'étais. Essayer la marche arrière, c'est s'assurer d'être mort, alors que le tour demi, ça permet de se barrer. Ça passe pas, ça. Non, bon, c'est très chiant de me faire focus par tous les mecs. Jutland au mid, tu l'as vu? Non. Non, je parlais à Jace. Ah. Je le vois, tu peux faire aller KPA. Je sais. Oh, c'est très chiant, mais les mecs, on va bouger. Je le tuche. C'est pas très gentil. Tu donnes quoi, il a radar? Bah, c'est le radar de Moscou. On va spotter le Jutland. Ah oui. Oui, exact. Engine boost. Qu'est-ce qui se tourne ton incendie? Laisse. Bismarck, t'as hydro? Pas d'incendie, vas-y, je les appelle là en plus. Bismarck, t'as ton hydro? Oui, non, c'est GER, il a pas son hydro. Voilà, un incendie. Qu'est-ce qu'il fait ce premier? Vas-y, tourne plus. J'ai tiré trop bas, vraiment. Really? 3 c'est pas ouf comparé aux 150. Je suis à 8000 hein. Est-ce qu'on parle qu'on est à 8000 et que la game est bientôt finie pour nous? Ils vont tomber à 0. Ouais, je suis à 36. Tu disais quoi, Jace, pardon? Elle est YOLO Lénine. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on va gagner dans 2 minutes. En gros, dépêchez-vous. Il y a le temps avant qu'il tombe à zéro, faut comme un 3 navires tombe. Au moins. Rune secondaire. Full secondaire. Lénine qui fait une belle marche arrière, hein. Tu vas peut-être pouvoir manger. C'est vrai que les zones du torpille des Mookies sont un peu mieux que ceux du Moga. Hein. Ceux du Moga, c'est un enfer. Quand tu rejoues à l'Ibuki, il était bien. Cross. Moi, l'Ibuki, j'ai kiffé ma race. Mais par contre, stock, ouais. C'est non. Hein. Ouais, ça va. Y'a pire. Jamais de la vie, tu joues stock. Hein. Si. Non. Je te rassure que non. Ah, mais je suis pauvre. Ne l'oublie jamais. Oui, mais je sais bien, mais non. Oh, je vais peut-être faire la pause du coup. Non. Franchement, je lui arrache. C'était des fois 3. Ah, il est... Boy. Le Lénine? Ouais, Lénine, ouais. Le salaud. C'est Blue Dragon. Il me fallait ça. Hein. Yoshino, viens ici. Viens ici. Viens ici. Oui, faites-moi tanker. Faites-moi mal. Vas-y. J'ai ma croupe grande ouverte. Vas-y, tiens, prends le rune. Quelqu'un peut clipper ça? Non. Kalim, tiens, je sais que t'es sur le chat, s'il te plaît. En plus, ça va te plaire. Juste ton arbre. Ça te ferait un super sample.
Kaline, elle a pas intérêt à faire ça parce que c'est du sample de Wreckfest, elle a pas intérêt. Parce que franchement, elle, c'est film 2. C'est film 2 dès qu'elle ouvre la bouche, quoi. Donc, non. Film 2. Ouais, film de Luc. Film de Luc, exactement. C'est full le leu, quoi. Le. C'est full le leu sur Wreckfest. Qui dit ça? Qui dit ça? Toi, moi, bah, apparemment, oui. La le, là. La le, absolument, c'est full le. Ça me fait rire. Mais tu vois, c'est que ça marche, c'est que c'est drôle. Viens vivre dans le sud-ouest, reste pas chez toi. Parce que c'est débile. Mais c'est... exactement. Bah, si c'était pas débile, ça se saurait. Hein. Enfin, si j'étais pas débile, ça se saurait aussi. Ça aussi, ouais. Ça, je savais. Ah bon? C'est déjà pas mal d'être conscient de ton propre débile. Qualité. Full débilitude. Bon, par contre, c'est chiant. Par contre, j'ai besoin de mettre des peines, mais que ça fait rien. Mais putain de Vladivostok qui me KS! Ah, mais. KS ou être KS? T'as eu la question. Mais... oulala, le toit. Il on pourrait pas perdre un chip ou deux, s'il vous plaît? Ne tuez pas de chip. Ouais, t'as raison, ouais. Non, mais ne tuez pas de chip. Laissez-moi faire mes dégâts. Cordialement. Ah. Attends. Il a tiré trop haut. Il a tracked. Y'a track! Ah merde, il va dans l'autre sens. Mais t'es relou, tu fais l'enfant toi, ton truc là. Y'a Brindisi? Où est la brindille? Où la brindille vient ici? Tu veux que je fasse la cause ou pas? Ah bah la cause, c'est-à-dire que. Ils ont déjà descendu un chip, c'est bon? Bah disons qu'en fait on est à 900 donc c'est chiant. Bon vas-y, je fais la cause. Je vais faire la cause. Hop, ça dégage. Ah, bah il a fait la cause. Il est très chiant, lui. Vas-y, donne-moi des torpilles, vas-y. Envoie-moi des torpilles. Non mais putain, mais Cible, quoi. Mais Siberia, le faux frère. Le faux frérot, quoi. Hop, ça doge. Ouh, ça doge. Attends, il y a du broadside versus un kiter. Je prends le broadside, moi. Franchement, les bouquins stock. Attends, quoi qu'il donne du broadside un peu. Sympa. Y'a pire. Et comme le Moga par exemple, c'est encore pire ça. Full ricochet. Ouh, ça doge. En fait, je fais des concours de doge moi avec le Brindisi, on s'éclate. Oh là. 5 ricochet, j'ai tiré trop bas, je le savais. Vladivostok aussi tank avec tes russes. J'ai un peu honte de mes dégâts. Attends, combien? Je fais 3 Sita pour 87 000, c'est tout? 87 000, ça va. Oui, ça va, oui. Ça va, ouais. On sait pas du tout PL par Jace. Non, franchement. Mais le Yugumo qui croise, mec, comment il fait pas dernier, quoi? Comment ça se fait que le Yugumo fait... Comment? Pardon. Comment ça se fait que le Yugumo fait pas dernier? Bah parce qu'ils ont un Jutland encore plus nul. Ah, Jutland, c'est vrai qu'on l'a un petit peu denied. Hein. Oh là là, ça s'est pas très bien passé pour Jutland. Bon, j'ai mes conteneurs d'Alsace, ça c'est fait. En plus, dans un clan typhon, quoi, il doit avoir les boules. C'est vrai. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire les boules magiques avant qu'on aille tous manger? Ça vous dit? Parce que après, il y a la fin qui justifie les moyens. Hein. C'était nul, je sais, oui c'est bon, pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, Swaggy. Non, c'était vrai. La dernière fois que j'ai entendu cette phrase, c'était dans Taxi 3. Eh bien, et comment te lire? Ça s'est pas bien passé, Taxi 3, c'est ça? Et pas des bons souvenirs. C'était pas un grand film d'auteur? Je comprends pas. Ah, franchement, ouais, en film français, je crois que c'est l'équivalent de Irishman, tu vois. Alors le truc, c'est que quand t'as qu'un écran, c'est compliqué. Surtout quand t'as oublié de fermer tes sessions de boulot sur Premiere Pro et sur Photoshop. Merci. Et que tu dois partager ton écran, magnifique. Ah, j'ai les boules magiques. Elles sont où? Il y a une mise à jour ou pas? Marble on stream. Déjà? Déjà quoi? Il est déjà 20h, oui. D'ailleurs, je vais quitter la division si vous voulez continuer pendant qu'il y a des boules magiques. Là. Oh. Non, moi je m'en vais, je vais voir Jace. Tu peux continuer, Jace? Je suis totalement concentré par les boules magiques. Ah, j'aime quand tu me dis ça, Jace. Tu me fais plaisir. Moi, de toute façon, ça sert à rien de regarder. Je connais forcément le résultat, alors... Pff. À ça, c'est bon. Vrai, ça par contre, toi tu connais bien. À quoi bon? Alors, hop, on est parti sur des boules magiques, c'est parti.
Et streamer sur un écran, c'est un enfer. Hein. Je vous le dis. Hein. Un enfer. Je pense que c'est le temps de faire une petite community map locale. Bitos ! On va jouer sur Bitos. Sachez qu'il y en a très peu qui finissent la game. Et si vous voulez vous plaindre, vous allez vous plaindre à Monsieur Bitos. Allez, point d'exclamation play dans le chat. Ouais, c'est sa carte. Point d'exclamation play dans le chat si vous voulez remporter 10 camouflages de l'abonné. On commence avec 10 camouflages et après on embraye sur un conteneur CC et un seul. Et après, on ira tous mangiare. Si j'ai bien compris, Bitos, il a investi dans Marvel's Unstream. C'est payant, Marvel ? Pas du tout, c'est gratos. Ah putain, merci. J'allais dire qu'il aurait investi dans Marvel s'il aurait pas investi dans Wreckfest. C'est ça. Mais attention. J'attends juste que Sibaria l'installe parce que bon, hein, maintenant que Sib stream tous les matins, d'ailleurs je vous encourage, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Sibaria, de le faire de suite, d'aller le follow. Donc vous allez le suivre sur Twitch. Le matin, le copain est très 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 actif et moi je suis hyper content d'avoir un petit stream à suivre le matin quand je télétravaille. Ouais, Sibaria, installe les boules magiques. Laisse une chance à Swaggy. Salut Serge. Oui. Il est CC lui. Bientôt. Oui, c'est pay to win Swag, c'est ça. Allez, c'est parti, on est 27. Tout le monde a la dalle, moi aussi. Non, pas moi. Oh, Kalinette, coucou. SakuZ de Milo. Comment ça va? J'ai pas de code à donner, moi. Bah, tu m'en demandes, je t'enfile. Salut Philippe. Tana, il va voir ça à faire what? Y'a Bitos. C'est la map à Bitos. Il y en a un qui est en train de raconter sa vie dans le chat de MyGame, c'est incroyable. C'est vrai ? C'est toujours important de raconter sa vie. Avant, je faisais pas d'efforts. Maintenant, c'est un plaisir de relever le challenge. Il a vraiment marqué ça ? Oui. Swagger, tu devineras jamais qui est en tête. Mais genre, tu devineras jamais. Ça risque pas d'être moi, gros. De toute façon, même si c'est moi... si c'est toi Je sais que d'ici 3 minutes, je suis fini. Oh, il y a la saucisse derrière, tu vois. Il y a la saucisse qui double. Oh là là, il a fait l'exté. Un très bel exté de la part de saucisse. Ouais, et je suis content de dire, là pour l'instant, il y a un duo de tête, c'est saucisse contre Swagger. On peut faire un panel de blagues quasiment illimité entre Swagger et saucisse. La saucisse qui rentre dans Swagger, ça prend l'aspi de la saucisse sur Swagger. Pendant ce temps-là, Swagger coupe du pain. Il a envie d'enfiler une saucisse, là, je sens. Tu pensais que tu en sortirais comme ça ou pas, Swaggy? On est descendu si bas. Ah ouais, non mais là c'est full descente là. Pas le niveau, hein, mais putain. Ah là là, saucisse ou Swagger. Ou Captain EO, ou Itek, faut pas oublier Kamov, Coyote, Stargate aussi. Kaline, bon là ça reste d'être compliqué. Hein. C'est quoi cette carte? Mais Bitos, ta carte pue la merde en fait. Hein. C'est pour ça que c'est la Bitos. Saucisse, il a dit je suis au taquet dans le chat, ça y est. Très représentatif. Attention, les premiers sont les derniers, faut repartir le premier. C'est qui repart le premier? C'est Swagger! Les premiers seront les derniers, hein. Je m'attends à tout. Attention, il prend l'aspi. Il a pris l'accélération, Swaggy. Il a pris l'accélération. Regardez, clipper, c'est le moment de clipper, oh les non, enfants. Il est là, le Vioc. Il faut clipper, il faut clipper. T'as un problème, Kaline? Ça fait deux ans, dites-vous bien, ça fait deux ans qu'on stream. Deux ans qu'on stream quasiment régulièrement, au moins une fois par semaine, hors les vacances. Deux fois que. Deux ans où on a dit au bout de six mois, on installe les boules magiques sur la Bose FR. Donc un an et demi de boules magiques. Vous savez combien de fois Swaggy, un de mes co-streamers avec Sibaria, a dit « Yes, j'ai gagné ». Zéro. Zéro, mesdames et messieurs. Non, parce que c'est nous qui gagnons et lui offrons les aujourd'hui, trucs. Aujourd'hui, une malédiction est en passe de se briser, peut-être. Une malédiction. Non. Attention, moi, peut-être c'est aujourd'hui, Swaggy. T'as allumé un cierge récemment? Non. C'est Kaline qui m'offre des Dunkerques en fait. Ah mais Coyote revient comme un boulet de canon avec Itex, Target, Saucisse qui accuse le coup. Hein. Voilà, il essaye de me mettre des étoiles plein les yeux, je sais que ça va mal se finir. C'est le problème ça. À un moment donné, quand t'es jeune, tu donnes tout d'un coup, après il n'y a plus rien pour la troisième mi-temps. Je sais, regarde, le karma arrivé. Je m'accroche. Ah, il y a des trucs à la fin, merde. Regarde, attention, attendez, tenez la ligne. Oh, Swaggy, oh là 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 là. Oh là là, ça s'est pas bien passé. Voilà oh la merde. Bite. Oh là 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 là. Voilà la bite. Alors. Et c'est Itek. Allez. Voilà les gars. Allez. Ça dégage. Voilà la deck. Aïe aïe aïe, quel enfer. Oh, arrêtez. Je te le dis, ça sert à rien de me faire espérer, fils. Je sais ce que ça va donner. L'occasion, je vais mettre un peu. Oh, mon gars. Voilà.
Là, on avait juste 78 personnes derrière toi, Swaggy. Elles ont toutes espéré, toutes. Et c'est Hittech qui l'emporte, GG. En fait, Vex, ce que t'as pas compris, c'est que faire une Vexby, c'était déjà faire une Swagger avant que t'arrives. Donc, c'est vrai, ça aussi. Tu t'es bien battu. mon cher Hittech, tu m'envoies un petit MP, s'il te plaît. Vu que là, vous voyez mes touches Windows, donc je peux pas montrer, vu que j'ai qu'un écran, le fichier doc, enfin code.txt. Donc voilà, on attendra la fin du stream. Hein. Allez, point d'exclamation play cette fois-ci, c'est un conteneur CC. Et Swaggy, puisque tu as gagné. Mais non. Tu nous diras qu'est-ce qu'on peut gagner dans un conteneur CC. Oui, oui, bah tu demanderas à Hittech. Maintenant, il a gagné Camo, lui, je crois. Il a gagné 10 Camo de l'abonné. Bah, demande à Bitos, lui, est au courant de ce qu'il peut gagner dans les conteneurs CC. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Demande à Bitos. Tu parles de Chata Mireille? Ouais. Tu peux gagner un massage Mireille, déjà. Ouais, tu peux gagner un massage. C'est Mélagant. Ah ouais, Mélagant, c'est vrai qu'il a, je pense, le record. Tout stream confondu. Il avait eu quoi? Il en a eu. Non, il y a Pichu aussi qui a eu le Gascogne. Mais Lagan, t'as eu quoi déjà dans. Atagobé. Atagobé. Atagobé, ouais. Attends. Sérieux, toi? Cross. Ouais, alors, toi, dis-moi tout, Siberia. C'était qui le viewer qui était en... qui avait gagné un conteneur? Charlie. Et qui avait eu le coup tout seul. Charlie 1236, ouais. Alors, je pense que je suis désolé, mais c'est lui pour moi qui a le pompon, quoi. Ah ouais. Surtout qui est en plus en mode. Bam! C'est plus sur quel autre. Alors, de qui d'autre était allé? Je crois que c'était Doobie. Il est arrivé en 12 chez Doobie. Bonjour, j'ai gagné un coffre, un CC chez. Chez Cross. Chez Cross et j'ai eu Poutouzov. C'est un bon navire. Mais pour la petite histoire, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très vrai. C'est Doobie qui m'a appris que c'est Charlie qui avait gagné le Poutouzov. Et maintenant, c'est tout ça dans le chat à Doobie, mais t'es sérieux? C'est un des meilleurs navires du monde, quoi. C'est ça. Alors, vous étiez 27 pour des camouflages. Bizarrement, pour un code CC, vous êtes 37. Hey, j'attends, j'ai mis play. Kaline, écoute la phrase jusqu'en entier. Enfin, jusqu'au bout ou en entier. Ouais, c'est... Vous étiez 27 pour des camouflages, vous êtes 37 pour un conteneur CC. C'est bon? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, voilà. Et maintenant, on est 39 avec Vexby qui va nous faire une Vexby au bout de 5 minutes. Ouh, il y a Rour 40. Bon, ça allez. Fait chiant. C'est bizarre, il y a plus de monde quand c'est les coffres CC. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais si, je t'enfile. Si t'installes les boules magiques, je t'enfilerai des codes. Allez, bonne chance à tous, 40, ça me semble bien. Déjà que je suis en train de prévoir l'upgrade du PC. Ouh là là, upgrade. Upgrade. Le prochain Marble, c'est pour gagner Kaline. Ah, demande à Zozo. L'appel. Je suis pas sûr que vous vouliez la gagner. Hein. Faut prendre l'appel. Hein. À Zozo. C'est full pelle. Full power. Parce que Zozo, on l'a équipé, on l'a mis une pelle et tout, et c'est bon, il est parti. Non, pas l'appel. Stargate en tête avec Siberia. Frarosa, regarde Bitos, regarde-le, full chat, on l'appelle chat à Mireille. Marco qui vient juste de follow, de follow en plus. Full chat, tu veux un enfant? Oh, oh le... ça tire à balles réelles juste à côté là. Les voisins sont un peu brillants, trouve pas Siberia? Bitos à droite, Stargate et Marco à gauche. Doudou aussi suivent Bitos. Dégage, Doudou, dégage, Doudou. C'est bien, il fait le pire place du monde et il se prend des torpes. GG à toi, tout ça pour mettre une torpe en plus. Hein. Pour l'instant, j'en connais un. Il y a un Master Race CV qui est en tête. Hein. Il met une demi-longueur à Bitos. Il va même pas me mettre de torpe. Il y a Philippe Badace qui est pas loin. Hittech qui a déjà gagné, qui est pas loin non plus, qui est dans le top 10. Swaggy, par contre, il a. Non, il a lâché prise là. Il a fait. Ouais, j'ai tout donné, ça m'a pas bitons. Mais il mérite pas. Ah, il mérite pas ma map. Tu balances sur les autres streams que tu joues avec des vieux dans ta team et non, tout. Ouais. Oh, Sanigo. Ouais. J'ai parlé. De façon... Ah, la garderie qui ouais, se rebelle. Ouais, là, tu parles à 6 et il dit ouais, bah de toute façon, moi, je joue dans ma team, c'est que des vieux quoi. Non, j'ai qu'à moyenne d'âge, j'ai élevé, c'est pas pareil. Ouais, la moyenne d'âge est élevée, attention, 40 ans. Ouais. T'as vu comme il l'a pris? T'as vu qu'il l'a mal pris là? Hein. Je trouve un peu salé notre vieux. Hein. Ouais. T'as vu le message, Cross? Ah non, mais moi, j'ai vu aucun message, Grande. Ah, je t'avoue. Tout à l'heure. Ah ouais, par contre, moi, ce que je regarde, c'est qu'il y en a un qui s'échappe et c'est pas le bon. Allez, ça dégage! Oh lui, oui, allez, casse-toi. Alors, qui sera le prochain élu? Et là, on voit The Swagger popper de les soireurs. Ah non, c'est Stargate, c'est les soireuses, c'est Stargate qui la passe. Le Dan, Stargate, Hittech. Putain, Hittech dans le top 3, quoi.
Mais ah, tu serais pas un pro motivé, hein. Trop fort en fait. Oh là là, mais Stargate, mais le talent du streamer. Merci d'ailleurs pour le chèque Stargate, je te remercie. Par contre, on t'a prévenu, il y a pas le Roosevelt dans le conteneur. Bah, oh, je suis en mode monde de merde. Ouh là 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 là. GG Stargate en tout cas. Merci, tu vois comme quoi il faut envoyer son chèque à l'heure hein. Quand tu envoies ton chèque à temps, Stargate, c'est bon. Magouille. Bah oui, bah évidemment que c'est magouille. Nya 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 nya. Pendant ce temps, qui est le pouli d'or? C'est... Ah non, c'est Verk qui est dernier, je crois que c'était moi. Verk, allez copain. Enfin, après, quand même, avec sa frère, on a pas fait une très bonne course non plus. Hein. Ah non, c'est sûr. Hein. On a traîné. Stargate, tu mets combien? Tu mets 5 secondes au deuxième, quoi. Est-ce qu'on en fait une dernière? Est-ce qu'il me reste des codes? Fais voir, je regarde mon téléphone, parce que je pouvais pas partager mon téléphone. Combien j'en ai? Colissimo, non, ça on s'en fout. Moi je veux bien. Si vous saviez ce week-end ce qui s'est passé sur Colissimo, j'ai ma femme, je sais pas s'il y en a de vous qui ont des copines qui suivent des influenceuses de fitness, mais la mienne, elle était vraiment à donf sur une collection privée de Decathlon. Franchement, c'est pas Decathlon. Beau à voir. C'est pas beau à voir. Les comptes de fitness ou... Non, des collections spéciales vêtements d'influenceuses. C'est dégueulasse, hein. Alors attends, j'en ai un... on peut en faire une dernière. On peut en faire une dernière. C'est bien pour ça qu'elles sont influenceuses et pas designer. Hein. Ouais, gros, elle est tout de suite. Hein. Non mais mec, gros, elle est bien placée. Gros, les sons de Squeezie, tu vas me donner un avis subjectif et tu vas regarder le nombre de vues et tu peux pas me dire honnêtement, oh putain, il mérite le nombre de vues qu'il a fait. Putain, et franchement, il chante super bien, il fait de super trucs. Ah non. Mais en tant que musicien, je peux pas dire ça déjà de quelqu'un qui fait pas, enfin, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe comme ça et qui fait des sons qui sont pas des siens en fait. Après, moi, ce que je suis content pour lui, c'est qu'il a fait ce qu'il kiffe. Et en tant que musicien, ce qui est hyper important, c'est de faire ce que tu kiffes. Par contre, oui, certes, sa notoriété pour vendre un album qu'il a mis du... Enfin, ça se trouve, il a pris gavé de plaisir à le faire. Ben, go, fais-le. Par contre, moi, je peux pas être fan de ça. Moi, en tant qu'être humain et en tant que musicien, je peux pas être fan de son travail. Parce que c'est pas du tout mon délire, cette sorte de musique. Mais par contre, voilà, il fait ce qu'il veut, le garçon. Les loulous, ce sera officiellement la dernière. En vrai, qui a un mec qui est un de vous qui mène la course de 800 mètres, je veux pas savoir. E-Tech, comment je fais pour te MP? Ben, tu cliques sur mon pseudo, tu dois avoir des messages qui vont popper dans le chat avec marqué Crosswax, et tu fais envoyer un chuchotement, et tu dis bonjour, merci pour le code CC, le code camouflage, et je t'envoie tes camouflages. Je join, et on rappelle la règle. Si je remporte la course, c'est le dernier ou la dernière arrivée qui empoche le code. C'est y part pour le dernier code CC de la soirée. En avant. Marque-lui, merci enculé. Swaggy. Swaggy. Moi, je viens de le faire. Ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Pour la peine, j'affiche pas les noms. Sur phrase, il vient du sud. Hein, tout le monde déteste ça. Oh putain, c'est que celle-ci va vite. Il est suivi par une bille. Elle va vite celle-ci. Qui est-ce qui est en tête là-dessus? Qui est-ce qui est en tête? Notre Fred, Marco, Rour. The Swaggy qui est dans le top 10. Pour l'instant. Tout à l'heure, il était dans le top 1. C'est quoi ce truc? Dommage, pas pareil. Il faisait le top 1 tout à l'heure, c'est pas pareil. Et Malizé en tête pour l'instant. Suivi de Mélagan, Notre Fred. Ça part pour Vexbé à gauche avec Doudou. Serge, Kaline, Omalé, Balachou, Moulfrid, Frarosa. Allez, pour l'instant c'est Emalizé qui est en tête. Celle-ci, c'est la pièce principale, la pièce maîtresse. Ça fait craber moult fois. Oh merde. C'est pas grave, le regard, tu vas tranquille à ma place. Attention Emalizé, il faut pas craber comme Wadouga. GG Emalizé, félicitations. Voilà, pas comme The Swagger typiquement, ou Alex, tu vois. Ils ont barré le T. Super Alex, bien fait. Pardon. Bravo princesse, t'as fini la course. GG Wallplay. Safréadis qui fait de la marche arrière. Oh là là, Safréadis. Normal œil. Safréadis. Ouais, je trouvais que ça manquait un tout petit peu de gameplay Zao, tu vois. Regarde-le.
RIP. Non, non, mais c'était pour pouvoir vous faire chier jusqu'au bout. Il n'y avait que toi pour faire ça, en vrai. Bah ouais. Ah, excellent. Émalisé, félicitations, tu m'envoies un MP, tu gagnes le dernier conteneur CC que j'offre ce soir. Les loulous, on va aller voir qui est-ce qui est sur les interwebs et qui est-ce qui stream du battle. Hop, je vais quitter ça. Donc ce soir, on a E-Tech qui remporte 10 camouflages de l'abonné. Ça rend pas la porte. On a pas Balachou qui remporte le code. Pas Balachou et pas The Swagger qui remporte le code CC. On a par contre la copine de Balachou, ce que je veux dire, notre cher Émalisé, Manon, qui remporte le dernier conteneur. Oh, j'ai Kaline qui m'a envoyé un va te faire, d'accord, super. Non, j'ai marqué merci, enculé. Ah oui, c'est ce que je pensais. GG, GG. En tout cas, les loulous, c'était un gros kiff que de vous retrouver ce lundi soir. Report ça ferait, ouais, pour la perte de temps. On se dit rendez-vous cette semaine, peut-être. Ton mood de lancer un stream de la OZFR à 20h30. Le truc étant, c'est que là, si je fais un gros call sur la OZFR, ça va faire un raid tout moisi, cette histoire, non? I am in the sauce. Ouais, ça pour changer. En tout cas, Swaggy, j'y ai cru, je voulais te le dire, copain, j'y ai cru. Ah, pas moi, je préfère te prévenir. Ah bon? Je viens de voir un Atlanta utiliser son radar en case C3. Pas mal. Bon, j'arrive pas à te MP. Exactement une minute de game. C'est génial. Si tu cliques sur mon pseudo, il y a marqué quand même envoyer un chuchotement, non? Est-ce qu'il est sur téléphone? Ah, est-ce que tu es sur téléphone? Très bien dit ça. Je suis de merde. Est-ce que tu es sur... Oui, bien vu, ça a le coup du téléphone. Sinon, je vais te l'envoyer, tu sais quoi? Je vais te l'envoyer de tech. Ne t'en fais pas. Si tu n'y arrives pas et que tu es sur téléphone, je vais te l'envoyer. Donc, je récapépète. Il y a E-Tech qui a gagné 10 camouflages de l'abonné. Nous avons. Émalisé. Hein? Pas Swaggy. Non, pas Swaggy, ça c'est sûr. C'était bien drôle. On a Stargate qui a gagné le deuxième. Et... Oui, c'est vrai, putain. Ah oui. Quelle honte. Quelle honte. Il aura peut-être un Roosevelt. Il aura quand même pas son Roosevelt, hein, mais. Il est pas dans les CC? Ah, quel Ouch. Quel dommage. Ouch. Ça tire à balles réelles. Sur le site directement de Wargaming Passage. Ouais, c'est sur le site directement, comme tu dis, de Wargaming.net. C'est quoi maintenant? Ils ont changé le nom, je crois que c'est activer un code, c'est ça directement? Oui. Oui. Nabil. Et... Ah, ça y est, tech, il a réussi à me MP. T'inquiète pas, tu vas l'avoir ton code, n'aie pas peur. Ça tire à balles réelles, hein. Ah, mais ici, non, c'est mais... balles réelles toute la journée. N'aie pas peur, Stargate. Tu devrais passer plus souvent. Swaggy, voyons, pour gagner, on te l'a déjà dit, joue CV. Ah ouais, je sais. Faut expulser Stargate. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais qu'il faut vendre son âme pour gagner un code, mais bon, qu'est-ce que tu veux, moi je vends pas mon âme. Non, il vend son cul, lui, c'est pas pareil. Est-ce que tu veux que je te le montre d'ailleurs, Stargate? Regarde, je vais te le montrer juste pour toi, avant de partir. Regarde-le bien. Tu le verras souvent. Montre-moi le Midway. Regarde là, comme il est beau. Tu l'as vu celui-là? Ouais, mon beau Midway. En plus de. Mais j'aime bien le camouflage. J'aime bien le camouflage avec son numéro 42, ça change du 41 du Midway. C'est vrai ça. Wow. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait des avions en propulsion dessus avec un gros réacteur, un bon jet là. Non. Dis-toi que à la première version du jeu, le Midway il avait des jets. Oui, ça par contre, j'ai jamais compris pourquoi ils ont. C'est vrai ça, non, parce que ça allait... Non, le problème c'est que c'est. 340 Après, t'as vraiment envie de spotter un DD en 2 secondes? Poum, pardon. Déjà, c'est pas comme si c'était déjà point and click de temps en temps, non? Allez, sur ce... Bon, hein? Oula, le débat. En tout cas, je te l'ai pas dit, mais GG Stargate, en tout cas, de faire à chaque fois honneur à la libre antenne et vraiment d'être présence à chaque fois. Ou alors vraiment, quand tu peux pas, c'est que t'as pas de bol, mais t'as bien repris le flambeau. Avant, c'était nous, je me rappelais, on organisait ça en mode à l'arrache. Avant, c'était ton mou, et après, c'était toi. Donc, c'est franchement, GG à toi. Voilà, je vais te le dire, tu es le métronome de la libre antenne. Mais je fais honneur à mes amis. Mais oui, mais vas-y. Bonsoir. Oh non, pas lui. Ben là, on y va. Allez, salut. Hein. Allez, bonne soirée. Non, mais là, on peut pas parce que lui, en live, vous voulez pas. Non, vous pouvez pas. Et bonjour. Vous pouvez pas. Sur ce, des très bonnes soirées à tout le monde. J'ai pas vu qui streamait sur les interwebs, mais c'est pas grave, on fera un raid pendant le live de fin. Allez, salut. Hein. Et bonjour chez vous et bon appétit. Hein. Loulou, au revoir. Hein. Salut. Adieu. Hein. Adieu. Ça passe. Moi, je dis que ça passe.